Salut les potos, bienvenue sur la chaîne AzerTV 972, la chaîne de tous les dangers, les copains. Je suis content de vous retrouver tranquille. Hier, j'avais commencé à faire l'opération checkmate là, mais bon, il y avait un petit problème technique, les gars. Et j'ai dû streamer du Division 2 avec le clan, tranquille. Bon, bah, ça me permettrait de. De revenir tranquillement sur aussi deux divisions, il y a l'excursion qui est sortie. Donc revenons à nos moutons les gars. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pris l'extension pour l'état en profond et puis le raid. Alors je vous explique les gars. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc l'épisode 2, donc, c'est bien l'épisode 2. Donc opération checkmate. Et ce qui se passe, c'est que bah, vous jouez à cette partie, acheter une extension que j'ai fait et puis l'opération, la mission 3 aussi, et ce sont des extensions. Comment faire? Vous allez sur options, vous allez sur la boutique et ici extension. Donc vous voyez, j'ai récupéré les extensions. Donc il faut en tout, ça m'a fait 30 € pour avoir les deux extensions. État profond et Red Patriot. Sinon, il y avait cette solution de prendre le pass année et qui était à 39 balles, alors que j'ai pris les deux trucs là, ça m'a fait 29. Donc là, en faisant 3, bon, c'est à prendre, mais bon, là, c'est parti. Donc là, nous sommes sur l'épisode 2, donc l'épisode 2 tranquillement, et il y a. Donc la première mission a été faite déjà, donc c'était retrouver Sam. Nous avons retrouvé Sam Fisher. Voilà. Et nous sommes partis. Je vais voir sur le Discord du clan, voir s'il n'y a pas un petit truc là, si les mecs ils font pas chier. Ouais, donc là je vais mettre, il n'y a personne, je mets un nouveau canal. Voilà, je me suis mis et je vais couper le son. Yes. Tranquille, s'ils viennent, il n'y a pas de problème. Là, on est parti pour. On regarde la map, on voit qu'il y a une zone ici, il y a un petit. C'est quoi, c'est marqué quoi? Et où j'ai un officier de sentinelle pour en savoir plus à son sujet. Donc là, on va le noter celui-là. Comme ici, nous ne sommes pas loin. Donc, c'est parti, les copains. On va mettre la map. Et c'est chaud, parti! Je suis content de reprendre. Ok, ouais, 30 balles. Y'a rien.
Est-ce qu'on nous avons un petit bateau qui traîne, les gars? Je ne sais pas. What it? Je sais pas si what it, il va passer ou pas. Là, tranquille, on n'est pas loin. Faut pas dans la nage. Il y a un bateau qui est pas loin, d'après ce que j'y vois. Bon, mais bateau qui est pas loin. Hein. C'est parti, les cocos, c'est parti. Avec mon équipe de bras cassés. Et c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai une bonne équipe de bras cassés. Allez. Tout en silencieux. C'est pas mal. Allez, hop là, c'est parti. Attention, d'après ce que j'ai compris, il y a 19 missions. Merde. Non. 19 missions pour 30 balles. Bon, ça va. Allez, on va se. On va plus se mettre en machin. Hein. Regarde. Pourquoi je fais ça? Je tombe dans l'eau à chaque fois là. Voilà. De mettre un coup et je vais récupérer tout ce que j'ai récupéré là, non? Je vais monter plus haut là, enfin, ça fait hein, je vais récupérer tout ce qu'il a récupéré là, c'est beau ça. Donc, comment on joue là? Allez. Oh, voilà toi, mon gars. Ah bah, il y a des mecs à faire parler là. Parler, à parler. Il y a des deux. Allez, mais fuck. Merde, les mecs dans le. Merde. Aïe. Cible touchée. Autre combat déployé. Ok. Putain, mais les gars, j'avais pas pensé que c'était comme ça là, les gars. Merde. Couvert nomade. Aïe 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 aïe. J'arrive te soigner. La grenade est extra vraie. Je suis là. Ok, c'est bon. Mec, il est pas mort là. C'est bon. Ah ben je vais pas faire mieux. Mais... Viens, viens là, viens là, espèce de plouc là. Protège. Allez, dis-moi. Ah mais non, mais c'est le Sphinx. Épisode 3, c'est pas ce que je veux, moi. Ton patron, où est-ce qu'il est? Qui ça? Te fous pas de moi, le Wolf. Avec la kill list. Ils se ressemblent tous. Ils ont rien sur eux qui les distingue. Essayez, l'île à l'ouest d'ici. Le Wolf qui commande cette région opère depuis un camp là-bas.
C'est tout ce que je sais. Allez, touche-toi. Ghost Leader, ici Nomad. C'est bizarre. Les rapports se contredisent. On dirait qu'il est à deux endroits à la fois. Vu qu'on n'a rien d'autre, autant vérifier les deux, mais discrètement. S'il remarque quoi que ce soit, il nous échappera encore. Ok, je suis sur le coup. Terminé. Mais c'est pas ce que je voulais, moi, les gars. J'ai fait l'épisode 3, là. Ah, les gars. Ah, il faut que j'ai des intel. Parti. Oui, t'es là, hein. Au niveau de la map, on dirait. Lâcher le bateau, c'est mieux. Bateau. Hop, hop. C'est mieux les bateaux. Oui. Tu vois comme bateau. Ah oui, c'est un bon bateau, les gars. Allez, les gars. Allez, c'est parti. Émission. Comment tout le monde là? Différent. Merde! Pourquoi tu... Ah, ces mecs, ils... Qu'est-ce que j'ai là? Tu m'as bluffé. Putain, le mec, qui... Il... Ces mecs, là, ils... Vraiment... Attachés, là. Mais qu'est-ce que t'as de balles pour... Tout est calme ici. Tout ça de balles pour rien du tout, le mec. Tout ça de balles pour rien. Et... D'autres jointes. Tant de balles, j'aime. Là, il y a un truc. Ah, je... Oh, mais je sais pas. Ah, j'ai... Et ok, ok. Une trace par là. Je suis face
place à une position ennemie. Voilà, il se... Ah, il m'embête là. Ah là là! Encore une fois, je me fais dépointer! Ennemi abattu! Bouge pas, je vais te soigner. Et c'est par contre, j'ai jamais compris, c'est une lenteur ce truc! Ou à charger, c'est une merde, pas possible! Ça va mieux, hein? Ah oui? Tout est calme ici. J'ai jamais compris pourquoi il y a autant de problèmes avec vous recharger. Mais moi je suis où là d'après le truc là c'est... Ah. Moi je pense que je fais ça. Et non il m'a basculé sur l'épisode 3. Regardez. Je suis sur celui-là là. Et moi je m'en bats les caca bêtement. Il... Je fais un conflit. Étape 2. Je vais sur. Ah bah ça, ah d'accord, ça s'est barré. Voilà, c'est tout là. 3 km. Activé. Voilà les gars, donc là on va aller en profondeur là dans nos... On va activer un peu l'XP, ça va activer tout. Tout. Déploiement de bivouac. Qu'est-ce que c'est ça? Déploiement de bivouac? Qualité de l'image extraordinaire. Et donc préparation SNP, donc c'est une saison 2. Franchement l'image est bien faite. Propre. Ok c'est bon. Tactique là il faut que Ah ouais mais non, on ne peut pas jouer à partir de là. Là, médecin, je suis à combien? Médecin, je suis à fond. Hein. Ah mais c'est Miguel Kim, mon frère, je sais. Pas bien aimé celui-là. Ok, voilà. La boutique, quand même. Des grenades, tout ça, on est comment? Bon. Non, juste trop de. Ok, c'est parti, les gars. Maintenant, c'est parti. Je pensais qu'on aurait bifurqué tout de suite sur la. Les... Allez, c'est parti. Mettre. Où là? Sam Fishers. Ah, c'est un espion de espion, les gars. Hein?
Allez. Merde. Bon, on rentre dans ça là. Putain, mais l'autre il veut pas me. Espion. Il est court en survol, faites-vous discret. Putain. Aïe. Merde. Efficace. Quel bleu. 21h. Là, je suis. Alors, il est là. Eh putain. Là. Quoi que là? Déploiement de bivouac. Oh là là. Qu'est-ce que ça vient de faire là, ça? Déploiement de bivouac là. Mettez 1h, 2h du matin, il faut que je... Le temps a changé. C'est bon. Et avec soin. Pas 2h. Ah, il faut lire. Voilà, c'est bon, le rendez-vous. Hey, Atix, comment tu vas? Nomade, c'est le moment de mériter ta solde. Quand tu veux, c'est quoi le plan? D'après les données collectées, une centrale électrique près d'ici a été réaffectée à un projet mystère de Skell. Tout ça, évidemment, bien. Dans le secret le plus total. Des experts ingénieurs et militaires ont été mobilisés. J'ai pris la suite de l'extension. L'extension est en profond. Plus que ça même, je pense qu'on va remonter jusqu'à Midas. Ok, alors on y va. Sam. C'est où Sam? Ne veut faire là. Le stratège est prudent. Il utilise des serveurs avec un chiffrage avancé dont on ne viendra jamais à bout. Mais si on arrive à détruire la centrale, le système lancera un backup des fichiers. Et ce serveur de backup est moins sécurisé. C'est ça le point faible. Et c'est ça notre porte d'entrée. Compris. Tu sondes le réseau et je détruis la centrale. On se sépare. Je vais préparer le site principal. Toi, rejoins la station de pompage. Quand tu auras désactivé les pompes, rends-toi au site principal. C'est parti. Pas mal. Pas par là, alors. Allez.
de bois cassé là. Tu me rejoins, Atix? En Discord, Watix, il a. Ouais, je joue ce soir, mon frérot. Ouais, je joue. Ah, déjà, je suis en train de jouer. Oh, voilà. Watix. Je vais me mettre sous ton channel, Watix. Hop là, c'est bon, nickel. Je me suis mis sous ton Watix, je me suis mis sous ton Discord. Ok, on va savoir ce qu'on a en face. Tiens, t'as qu'à regarder. Ah. Passer par là et... On va nettoyer un peu la zone. Hein. Compris, je me mets en position. Cache-moi ces mecs là, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Je manœuvre jusqu'à la cible. Bon là. J'ai l'officier aligné. Alignez-moi. On est au calme, ils sont tous morts. Bon tir. Ok, j'arrive, je fais. Ok, yes, mon frérot. Je suis face à une position ennemie. Ça c'est fait. Je manœuvre en position. Pensez-moi ce mec là, s'il vous plaît. Je te signale, boss. Ok, moi ce mec. On les a eus. Ils sont à terre. Je repère un. Je les tire. Défoncez-moi ce mec, s'il vous plaît. Je suis face à une position ennemie. Oui. Et un mec par là aussi. Merde. Reçu, je rejoins la cible. Là où? Ok, couché. Net et sans bavure. Merde. Le point. Salut, salut. Salut, comment tu vas? Ça, super. Et toi? Ah, tranquille, j'ai acheté l'extension là et puis j'avance. Merde. Tu peux m'inviter? Je sais pas si je peux trop loin. Attends. Si j'ai pas le truc. Non, si. Ouais, je pense que ça doit marcher. Ouais, nickel. Normalement, je peux. Tu es là, non? Ouais, là j'ai accepté. Ouais, hop. Watix a rejoint la session. Merde.
Bon, tu es ? Ouais, je suis. Ça va nous être utile. Il faut jouer. En plus, j'ai changé ma tenue. La couleur de ma tenue, là, je suis dans le thème. Nickel ! Nickel, mon frérot. Il faut qu'on... Ok, ouais, je les vois. On désactive le bordel là maintenant. Ok, vas-y. J'arrive par la plage. J'arrive. Et je vais m'en occuper. Encore un autre qui est solo, je pense que tu peux lui mettre une balle de snipe, je sais pas si tu le vois. Celui qui est sur la droite. Attends une seconde, je coupe la clôture et je rentre. Vas-y, vas-y. Il reste que ces deux mecs là. Il reste des mecs de l'autre côté. Comme on est en espionnage, on doit pas faire trop de bruit là. Tu vois. Ok. Faut gêner. Il y a un petit peu, mais. Ça va venir les mecs. Désactiver. Attends, faut que je désactive. Ok, ouais. Ça c'est bon. J'ai fait botter un truc. Les mecs au fond là. Bien. Ah, pite comme l'éclair toi. Dernier est où là? Je sais pas. Oh attends, je vois du doré là. Ça m'intéresse ça. Ah non, bah, là cherchons les poissons. Je crois que le doré est à ce niveau-là. Il doit être dans la zone, là. Non, il y a regarde. Un... Active. Oh, où est-ce qu'il... Je sais pas non plus. Active. Il doit être dans, le... dans les parages. Un peu. Je peux pas monter ici. Ah si. Une. Troisième est où? Je sais pas. Il y a trois pas. Ah, sur les plans du bâtiment, attends. Je regarde le schéma. Ah. Attendez, j'ai... Peut-être regarder avec le drone. Je suis où, moi? Celui-là, celui-là. Il y a un truc doré ici que j'arrive pas à récupérer. Ouais, sur la carte, je vois un truc doré ici, tu vois, sur le mec là qui est en dessous. Que j'ai dit là. Bon. Ouais. Bizarre. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah oui, t'es là. Ça. Je pense qu'il est plutôt à l'intérieur du bâtiment.
Ouais, il est dans le bâtiment là. Vas-y. T'es où? T'es sur le toit? Ouais. Ouais, on a dit à l'intérieur aussi. Ok, nickel. Deep Blue, la station de pompage est prête. J'ai posé un mouchard sur l'ordinateur du stratège. On lance les réjouissances quand tu veux. Bien sûr. Je me rends au centre principal. Attends-toi à des feux d'artifice. Il y a des points faibles dans les canalisations. Cible-les, ça détruira tout le complexe. Ça risque de trahir ma position. Utilise un silencieux pour te couvrir. L'impact ne déclenchera qu'une fuite mineure. Ça ne devrait pas t'inquiéter. Le temps que la centrale se pète la gueule. C'est bon? On prend une caisse, on y va? Ouais, il y a une caisse là, on y va, c'est parti. Let's go. Conduis, je te... Tu conduis, je conduis. Non, vas-y, conduis. Vas-y. N'arrive pas à conduire. Ah, tu suis la route, hein? Ça va vite, hein? Ouais, non. J'arrive pas à monter un pic. Sur le côté du véhicule. Bon, ils viennent à vers nous là. Il faut aller tuer, hein. Faut aller tuer là. Stop, stop, on va les tuer. Ouais, attends. Allez, monte dans le mine. Il m'a roulé dessus. C'est bon? Oui, il m'a roulé dessus. Merde. Je suis sorti, je lui ai tiré dessus, il m'a roulé dessus. Direct. Très rapide. Ennemi sur. C'est bon. Bien joué. Prends cette bateau. En tout cas, je me soigne parce que j'ai un peu la merde du coup. On va rouler dessus. C'est ici là. Aïe, attends, y'a un mec qui nous a vu. C'est où qui nous a vu là? Attends, j'ai pas la bonne arme. Ouf. Oh putain, on a explosé les mecs là. Oh, bah ils t'ont entendu là-haut. Attention. Ah, il faut pas tirer avec ça là. Bon, je vais sortir de ça parce que là, ça. Allez, c'est parti. Ah, je peux pas péter ça. T'as pu pas péter? Attends. Non, j'ai essayé de casser la lumière. Ah, la lumière? Ça pas marché. Ok, je drone aussi. Ça casse pas la lumière. Ça casse pas, j'ai essayé. Ok, donc faut essayer de localiser tout le monde. Donc là, il y en a. Ah, mais il y a un paquet quand même. Hein. Y a ouais, il y a du monde. Mais en vrai, il y a moyen de le faire full stealth. On le fait comment, t'as dit? Full stealth, discrètement. Je l'ai tué sans qu'il le repère. Oh ben je pars à droite. Y'a lui là. T'as gaffe au sniper aussi. Ah, y'a lui là qu'il faut buter. La radio, il est où? Là, l'as vu? Ouais, il est ping A. Point A. Attends. Ah, t'as mis ping A ou là? Il est loin. Ah, c'est via ton drone là-bas? Ouais. Fais gaffe, y'a du monde hein, partout. J'essaye de repérer tout le monde. Ouais. Il
Ah, c'est la tourelle ici. Okay. On désactive l'électricité pour trouver l'électricité. Où est-ce que c'est? Cadavre trouvé. Oh. Ah ok, l'électricité c'est à côté de toi. Ah tu veux à ta gauche. Ta gauche. Le machin va pas péter. Ouais, tu vas va dessus. Ouais, ouais. T'es pas forcément obligé d'exploser ça. Mais en fait tu peux aller à côté et appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Du coup là il est tombé. Faire attention. Y a des ennemis pas loin. Merde, ils ont appelé des renforts. Ah ouais, ah, c'est chaud. Du coup, vas-y, j'y vais. Il y en a un qui se barre en caisse. Ouais, ça c'est toujours le. Ouais, le VIP. VIP, ouais. Bon, j'en ai pété deux déjà. Non, il se barre plus en véhicule. J'ai tué le VIP. J'y suis presque, t'es prêt? J'ai mis mes ballerines, envoie la musique. Merde. Ah bah c'est le mec qui appelle les renforts. Ils sont en alerte mais ils nous ont pas vus. Il nous repère lui. Ok, j'ai tué le mec. Bien joué. La centrale est détruite. Tout est prêt de ton côté. Deep Blue ici Nomad, est-ce que le transfert est en cours? Je te reçois, 5 sur 5. Mais j'ai eu un petit problème. Le stratège est plus retard que je pensais. Le backup des serveurs a bien démarré, mais je n'ai obtenu que quelques fichiers avant de me faire éjecter. Des choses intéressantes dans le lot. Une chose qui, toi, t'intéressera. Tirez sur tout ce qui... Qu'est-ce que c'est? C'est lié à Midas? Va dans la salle des serveurs. Je te donnerai les données. La salle des serveurs. L'eau. C'est quoi ça? Vous êtes sûr que ce truc va pas vous griller le cerveau? Putain. Du calme. Je ne vous demande pas de le porter. Du calme.
On est tous sur la sellette si ce putain de projet tombe à l'eau et vos résultats tardent à se concrétiser. Tu vois ce que je vois? Ouais, je vois, je vois. Intelligent, Stone, mais vous manquez d'audace. Le pays des merveilles exige de l'audace. Lancez le test. Je vous présente le projet clos. C'est un début prometteur. Oui. Contre des mannequins. Je demande à le voir vraiment à l'œuvre. Contre de vraies cibles. Pas de problème. Ouais, des paroles. Tout à fait. Des paroles que le monde entendra. Même si je ne suis pas surpris que quelqu'un comme vous ne le comprenne pas. Peut-être que le clan pourra même mater l'insurrection rebelle qui semble vous donner tant de fils à retordre. Nous ne tolérons pas l'échec, Monsieur Stone. Est-ce bien clair? Très clair. Monsieur. Bien. Ça suffit. On coupe tout. Pas mal ce jeu, franchement, je le trouve bien. Ouais, c'est sympa. Oh. Il y a la liste du clou, il y a 5 personnes. Confidence. En intelligent. Il y a des petites questions là à faire là toujours. Oui, on a à parler à Oli. Parler à Oli, où est-ce qu'elle est? Ah, Oli. Oli. Ah, Oli. Il faut traverser la map là-bas. Oui, il faut aller là-haut. Il faut aller ici. Le point là, le plus près. Vas-y, téléporte-toi, je l'ai pas. Hey. Hey. Yo, comment tu vas mon frérot? R-E-R-H-1. Yo. Enfin, c'est... Ça c'est... Shadow ça? Shadow ça non? Shadow ça non? Shadow, il m'a envoyé un message ce midi. Il dit, est-ce qu'on se rejoint? Il m'a dit, ah, j'y vais toute la journée. Donc, je suis fatigué. Très bien, toi. Ouais, ça va, toi. Tu veux nous rejoindre? Est-ce que tu veux jouer c'est l'opération Checkmate État en profond? C'est la... C'est l'extension du... de l'opération. Opération... Elle va sortir un véhicule. Attends, vas-y. C'est l'opération... Tu as vu, au début, c'était opération Gunstone. Eh bien, épisode 2, version check avec ça. J'ai même pris celui-là aussi, tu vois. Oh, merde. Allez, hop là, on va charler à... T'as pris de voiture? Ouais, attends, je quitte le truc. Normalement, il y a une voiture qui nous attend. T'es sûr?
Ouais. Je sais pas, mais normalement, ouais, en face là-haut. Ah ok, yes. Ok, yes. Ouais, c'est ouais. Ça, ouais, c'est ça, c'est pas cosplay là. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est dommage. Tu conduis? Vas-y. Parti. C'est où la route? La route, je te dis qu'est-ce qu'il faut faire. Là, bah, passe. Traverse les bois là. Traverse toute la montagne et. Il faut aller par là, là. Ouais, je vois, mais. Y'a pas de route là? Ah, bah, suis la route. On va voir. Pas moyen de. Attends, mais il y a une. Non, on prend l'hélicoptère, hein. On retourne au truc, on prend l'hélicoptère. Hein. Il y a de l'eau. Ouais, sinon, faut faire un petit tour, quoi. Ah non, faut juste passer là-haut. Attends, il y a des mecs qui arrivent là. Okay. Oh là, oh là. Ils vont nous tirer dessus là. Oh là. Axel. T'inquiète. Ça passe. Eh hey, par contre il y avait une mission, j'ai trouvé super raide, c'était une mission il fallait. Aïe, attention, on est tombé. Oh t'inquiète. Oh pourquoi je fais des 3-6 la voiture? La voiture elle fait des 3-6. Oh je suis mort. Bah on est mort, on est tous morts. La voiture elle a fait 4 tonneaux, j'ai pas compris. Non, on va prendre l'hélicoptère, ça va être plus simple. Ouais, la voiture c'est pas forcément le meilleur plan. Il y avait une mission là, c'est la dernière mission là dans. C'est quoi, c'est Amber Sky là. C'était pas mal. C'était un peu short. Il y avait un mec qui était dans un bâtiment. Il fallait passer par le haut, soit en parachute ou en hélicoptère, récupérer le mec. Et ça, il fallait faire ça silencieusement, mais il fallait récupérer un avion pour ramener le mec pour être sauvé. Ah non, une pataguesse. Attends, on va checkpoint. Ouais, attends, le checkpoint est là, on va retourner. Je vais prendre l'hélicoptère, ça va être plus simple. Vas-y. Ah, c'était vraiment short cette mission. Et ouais, à plusieurs, c'est mieux hein, que tout seul. Bah, t'as essayé de jouer avec l'IA, non? Ouais, je joue un peu avec l'IA. Je trouve qu'ils ont des déploiements de bivouac. Plus de 1 ou 2. 1 ou 2 IA. Je les mets pas tous ensemble. Ah ouais? Ouais, je prends juste un mec ou deux, tu vois, des fois c'est mieux. Je préfère, tu vois. Je vais au garage, je vais prendre l'hélicoptère. J'en ai un avec une arme, si tu veux. Ouais, non, t'en as avec trois armes. Go. On peut quitter le camp. Hélicoptère en bas. Hop là, c'est parti. Parce que moi, j'aime des fois les glissades, j'arrive à gérer bien les glissades. Moyen de monter. Non, mais là, par contre, je peux. Tu veux remonter? Si, si, si. Là, je peux les monter dedans en normal, tu sais, tirer avec mon arme. À quoi que je peux te tirer avec mon arme si je veux. J'y arrivé là? Ouais, ça. Attends, avant qu'il nous. Ah, chute. Non, on va poser l'hélicoptère, on y arrive. Je sors vite pour allumer ces gens qui sont en train de nous repérer. On repère plus, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux, il y a deux motos. Non, mais. Je suis pas loin de Holly McKenzie. T'as des infos sur elle? C'est une spécialiste des comportements animaliers.
Ah bon ? Elle a un doctorat en ornithologie. Elle s'occupe d'oiseaux ? Oui. Leur comportement grégaire, leur actif migratoire, c'est pas banal. Mais elle est bien sur la liste du clos. Bon, je vais voir de quoi elle retourne. La moto ? Ouais. Il y a du monde, hein. Ouais, c'est... Peuple. Eh, il y a un hélicoptère. Il est où ? Il arrive. Ah, il est où ? Il est peu. Ah, il est derrière, non ? Trois mecs qui étaient là, ils sont morts. Allez, couché. Oh. Ah, hier j'ai joué The Division, The Rapid Division avec mon clan là, hier. Que là, j'avais pas pris l'extension, donc j'étais obligé de faire tout au patac. Hier j'ai dit. J'ai vu qu'il. Il y avait l'escu. Ah, par contre, Batix, on n'a pas. La prochaine fois qu'on retourne sur le bivouac. Pour activer ouais. L'XP, ouais, pour monter moi, plus vite. Je l'ai activé l'XP. Ah, tu l'as activé ? Ouais, normalement, je l'ai activé. Je suis monté à l'échelle, je suis retombé tout en bas. Ouais, il veut pas là, c'est top. T'as vu la dame ou non ? Ouais, elle est en haut. Prends l'échelle. Qu'est-ce qu'elle fait là-haut ? T'es où ? Ah, y'a tes mecs là. Je la vois pas là. Ah, mais elle est là, la dame. Ouais, elle est là. Faut lui parler. C'est vous, Holly Mackenzie ? Je vous l'ai déjà dit, je sais pas où se trouve ma fille. Je suis pas de sentinelle, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Je veux vous parler du projet Claw. Comment vous connaissez ce nom ? Qui êtes-vous ? Je veux rencontrer le stratège. J'imagine que vous travaillez pour lui. Je sais pas qui c'est, et franchement, je m'en fous. On me force à travailler, comme tous les autres ici. J'essaie de mettre un terme à tout ça, mais il va me falloir votre aide. Pourquoi je vous ferai confiance ? Je sais même pas qui vous êtes. Je peux faire quoi pour gagner votre confiance ? Ma fille, Ruby, est en plein dans sa phase rebelle. Elle passe son temps à saboter les drones de Sentinelle et à organiser des courses de drones illégales. Ah, super. Mais Sentinelle commence à s'intéresser à elle. Ils veulent que je coopère avec eux. La sécurité de Ruby en dépend. Et qu'est-ce que je peux faire ? La persuader de revenir me voir. Vous, elle vous écoutera peut-être. Après tout, vous n'êtes pas moi. Compris. Rentrez chez vous et attendez. Dites-moi seulement où elle est. Les héros commencent à regarder le truc. Quel indice. Wow, on est à 400 mètres. Bon, pas d'un parachute, non ? Ouais, attends, j'ai encore la cinématique. C'est bon. Dans l'enquête là, j'ai pas récupéré le dossier de là. Ouais, on peut sauter peut-être. Ouais, je tente. Ça pas ton. Pas ah, marché. J'ai mort. Tu es mort ? C'est pas toi qui es mort là ? Si, si, c'est moi, je viens de me péter les genoux en bas. Donc, ne saute pas, c'est pas un bon plan. J'ai essayé, ça a pas marché. Hier t'as joué toi. J'ai vu que tu m'as envoyé un message, mais t'es tard, non ? Ouais, je sais plus quand est-ce que je t'ai envoyé un message. C'est parti, 400 mètres, c'est pas loin, hein. Ouais, ça se fait. Bah, hey, c'est tout près là, regarde, c'est pas loin. C'est à côté.
dans la zone. Bon, il était quelque part, mais je... Il y a des mecs là-bas. Ah, il faut l'interroger, lui, non? Ouais, interroge-la, ouais. Il tire dans la chambre. Tout dans la chambre, ouais. Ou tu l'attrapes. Ah bah d'accord, il l'a carrément éclaté au couteau. On a des ennemis dans le coin. Ah, on n'a pas de... Lui il faut... Mais eux il n'y avait pas d'exclamation. Ah chier. On a plus de trucs là. Je sais pas ce qu'il faut faire en fait. Il fallait interroger le mec. J'ai essayé de l'interroger mais ça voulait pas l'interroger, ça l'a tué. Je lui ai tiré une balle dans la jambe, il a rien fait, il m'a tiré dessus. J'ai retiré une deuxième balle, ça a rien fait. J'ai appuyé sur eux pour empoigner et ça lui a mis un coup de couteau. Oh pop. Un multi-meurtre. Le mec, je lui ai pété les jambes et après je l'ai éclaté au couteau. Et du coup, que faut-il faire? À d'autres mecs là? Je crois pas. Là, c'est la mission là. Elle. Ah ouais, sa fille a des cheveux violets. Sa fille a des cheveux violets. Attends, je vais mettre utiliser un drone. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est là. Là où il y a la tour radio. Non. Elle se cache bien. De toute façon, on a tué le mec. Donc, attends, je veux revenir au dernier point de contrôle. Vote de l'escouade en cours. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça me dit de vote de l'escouade. Ça te dit quoi? Bizarre. T'as vu la fille? Non, mais j'ai récupéré. Là, je vois des points d'exclamation. C'est au niveau du bâtiment, là-haut. Si c'est plus vieux, mais non, c'est loin. C'est trop loin. Attends, je vais essayer de relancer la. Vas-y, essaye. Téléporte autre part. Il dit vote. T'as rien proposé là? Si, là, c'est en train de me proposer un truc. J'ai accepté. Ok, nickel, c'est bon. On revient au dernier point, est-ce que ouais, qu'il c'est mieux. Aller interroger le mec. Non, mais moi, ça, il y avait marqué empoigné, j'ai appuyé sur eux et ça lui a mis un coup de couteau. Ah ouais. Peut-être parce que les autres mecs m'ont tiré dessus en même temps. D'accord. Je sais pas. Oh, s'en fiche, on recommence, c'est tout. Ouais, c'est ici, regarde. Attends.
Je vais les voilà. Repérer. Voilà, il est là. Lui, il a les intels. Attends, je vais fumer ces deux-là. Ok, on attend un peu, on fume les deux autres et puis. C'était comme si j'étais pas. Il chope, lui. Les forces ennemies. Je vais essayer de l'empoigner. Vas-y, vas-y, chope-le. Ok, je l'ai. Mais c'est bizarre, tout à l'heure je lui ai mis une balle dans la jambe, il l'a pas pris. Moi je l'ai vraiment mis. Bim! Voilà, c'est bon. Je cherche une rebelle impliquée. Moi je le vois sur ton drone illégal. Ça te parle? Elle a été repérée. Les drones la traquent dans la forêt. Si tu la veux, t'as intérêt à te manier. Elle est couchée. Ça tape fort quand même, hein. Mec, il... On est à 400 mètres, let's go. On éclate ce truc là. Ouais, faut l'éclater. C'est attends. Facile, ça. Je crois. Attends, au pire. C'est rapide. Pas discret, hein. Ouais, mais qu'est-ce que la discrétion finalement? La glissade du garagiste. Ah, j'entends quelqu'un là. Ah, elle est là. Et ma petite. Tu dois être Ruby. Ouais, et toi t'es qui? Non, pas la peine de me remercier. Je pouvais leur régler leur compte toute seule, ça va. Hein. Bref, qu'est-ce que tu veux? Tu ressembles pas à un droniste. Je m'appelle Nomade. C'est ta mère qui m'envoie. Pas question que je rentre. On s'est mis d'accord, ta mère et moi. Il fallait que je te sauve pour qu'elle accepte de m'aider. Non mais attends, tu m'as pris pour une princesse ou quoi? Hein? Ma mère bosse pour Sentinelle. T'es au courant? De toute façon, je suis occupée. J'ai une course à préparer. Sentinelle force ta mère à travailler pour eux. Elle veut seulement te protéger. La rébellion serait plus efficace. Écoute, j'ai quelque chose à faire avant de rentrer. Vu que t'offres tes services à tout le monde, tu peux peut-être m'aider aussi. Je t'écoute. Cool. Ces derniers temps, il y a une série d'antennes qui émettent un genre de signal bizarre. Et ce signal, enfin, ça perturbe les courses. Je pense que c'est à cause d'une nouvelle technologie de drone qui est en cours de test dans un camp du coin. Tu veux que je fasse quoi? Détruire les antennes. Et foutre le bordel chez Sentinelle. Ça me paraît jouable. Elles sont où, ces antennes? Je sais pas. Le seul moyen de les trouver, c'est de suivre les drones de test. C'est ce que je faisais quand ils ont tous foncé sur moi. Il y a moyen de localiser leurs antennes avec leur clé réseau. Extrais la carte mère d'un drone, et je te dirai quoi faire ensuite. Ah ben... En train de la braquer. Elle est où du coup là? Pour récupérer un drone, elle est pas loin, 350 mètres. Je pense qu'elle est solide si je lui mets une bastos, elle tient. Bah, je crois que. Et... On perd la mission si je fais ça. Ouais, je crois. Ah oh, merde. Je meurs d'envie de tirer sur les civils à chaque fois, je sais pas pourquoi. Mais des fois, par hasard, je tire tellement dans le tas que des fois je tue un civil. Des fois, gros, je passe en véhicule sur des mecs, et je vois des points d'interrogation jaunes, et je vois vous avez tué un civil, j'ai fait merde. Qui est là? Il y a un civil dans le tas. Tu m'entends? Putain, Ruby, c'est toi?
Comment t'as eu cette fréquence? Franchement, j'ai bien galéré. Il défonce ton chiffrage. Mais t'inquiète pas, hein. Ça m'étonnerait que quelqu'un d'autre arrive à le craquer. Tu m'appelles pour frimer? Non, je voulais te prévenir d'un truc. Tu peux m'envoyer la vidéo par téléphone. Ça sera vachement plus simple. J'ai déployé mon drone. Non, c'est de la merde. Comment j'envoie un composant par téléphone? C'est pas une clé physique, banane. C'est un code. Quelle tête à claque. Les gars, il y a du monde là, il y a du peuple là. Ouais. Oh là là. Ça va être chaud patate, la gars. T'inquiète, ça se fait, tranquille. Drone. Ah tiens, il y a un drone là. Il est gros, il est énorme le drone. Hein. J'ai tué le contrôleur de drone. J'ai plus d'image. Ah, c'est bon. Là, j'en ai tué un là, de drone pour récupérer le. On a tous détruit là. Attention, oh là! Ah mais les drones ils sont tellement puissants. Voilà. Ah les drones, il faut faire gaffe avec les drones. Faut que je change de. Allez je vois. Attention, cache-toi. Je voulais être réanimé si ça portait. Faut détruire le. Ouais, j'essaye de détruire le drone, mais je peux. Ouais, faut y aller en douceur. Faut pas se faire repérer. Ouais, c'est ça. Regardez qu'il faut péter les. Tout ce qui est drone. À moins s'il y avait un truc à faire avant. Déjà, faut repérer tout le monde avant d'y aller. Quelle tête à claque. Ah, yep. Ça ressemble au drone dont parlait Ruby. Et ça, faut le détruire. Je pense qu'il faut déjà buter tous les mecs et ensuite on s'occupe des machines. Ouais, pas de problème. Parce que des machines ça va forcément faire du bruit. Alors que si on tue tous ces cons là. Pas moyen que. Je vais monter tout en haut de la tour et niquer les autres. Il y en a combien de drones? Il y en a combien? Ah, j'en envoie deux. Il y en a deux, je crois. Ah. Ils vont super vite ces drones. Super vite. C'est bizarre que l'antenne est là-bas. Ah non. Le mec qui est là-bas, il faut tuer là-bas. À 216 mètres. Lequel? Il faudrait que tu tues celui qui est avec le point qui bouge là, c'est celui là-bas. Ah oui, mais ça c'est un drone énorme. Faut pas le. Il est gros. Je peux tirer dessus, mais. Attends, je peux déjà essayer de niquer lui. Je suis mort. Hein, t'es mort? Ouais, mon perso il est tombé. Ah merde! J'essaie d'avenir. En fait, j'ai appuyé deux fois sur contrôle parce que je voulais m'allonger. Et mon perso l'a fait une roulade et j'ai tombé dans le vide. J'arrive. Je passe en douceur avant qu'il me voie le drone là. Il est où? Le pire, c'est que je voulais lui tirer dessus sur le drone. Ah, j'arrive. Doucement, mais sûrement.
Il va peut-être me repérer le drone. Ah bon? Il est où? Il arrive à côté de moi. Ah merde! Non, c'est bon. Il se barre, il se barre. Vite. Allez. Ok, j'arrive. T'as ramassé là? Allez. Tu sais que le truc de médecin, c'est bien. Le. Aïe, il nous a vu? J'ai fait péter un truc. Non, moi, il m'avait vu. J'avais tué un. J'avais tué deux. Ok, j'ai tué les drones. Aïe 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 aïe. Ah, y'a des petits drones. Ah merde. Quoi, c'est des mecs? Non non, c'est la... Ah ouais non, c'est la grosse machine. La grosse machine, mais s'il te plaît, j'aurais dû prendre le tacticien médecin. Faudrait qu'on prenne tous les deux médecins et des fois tu peux te relever avec le médecin. Ah bah t'es mort. Besoin d'un expert, ouais, si tu veux venir, il n'y a pas de problème, mon frérot, tu viens. Il y a Shadow qui arrive là. Un expert en balistique, il a dit. Attends, je vais l'inviter. Ok. Ok. Attends, je vais baisser le. Ok, là, c'est bon. Et la Shadow. Elle. Shadow de là? Il y a Shadow, non? Ah ouais. Mais par contre, on n'arrive pas à communiquer avec Shadow. Je lui avais donné le... Yes, merci Shadow. Qu'est-ce que ça disait? Allez. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Je tire sur le drone. Bah drone. Mais... J'en ai tué un. J'en ai cassé un. Ah, il y a un mec qui m'a tiré dessus. C'est qui m'a tué? Et qui c'est qui m'a tué? Je sais pas où est-ce que t'es dans. Je suis là. Putain, Shadow, Ruby, j'ai la carte mère, j'en fais quoi? Donne-moi la clé. Et où est-ce que je la trouve? Il y a encore un drone. Retourne la carte. Elle doit être imprimée en bas à droite. Y'a un mec là. Ok, c'est bon. Ah, Shadow est tombé. Non? Il y a le droniste qui est là.
il est à l'étage. Rejoins un abri. Voilà, saleté. Ok. C'est bon pour toi? Ouais. Et j'ai localisé les antennes. Je t'envoie leurs coordonnées sur le champ. Tu parles comme un officier. Ouais, hein, j'ai toujours voulu faire ça. C'est pas un jeu, Ruby. Eh, hey, oh, détends-toi. Si tu veux rejoindre les antennes rapidement, il y a un hélico dans le camp. Ok. Génial. Où ça? Bah, à côté de moi. Merci pour le tuyau. Bon. Salut. Salut. Salut Shadow, ça gaze? Allez-vous? Tranquille, tranquille. Ah ouais, ça va. D'après le truc, il faut prendre l'hélicoptère. On prend l'hélicoptère ou on y va à pied? Ah non, mais il y a un kilomètre. Il y a 300 mètres, 1 km 8, 700 et le dernier. Ah ouais, 1 km. Vous pouvez prendre l'hélicoptère si vous voulez, je m'occupe du reste. Donc nous, on va faire celui le plus loin. Ouais, j'ai un bivouac juste à côté sur le premier, j'irai. Puis sinon, après, je déploierai un hélicoptère. Patrick, tu vas où? Bah, je vais à celle-là, là, faut aller à cette antenne-là. Mais tu vas où? Détruiser les antennes. Ah, bah, ça va aller vite. Il suffit de tirer dessus avec l'hélicoptère. Ou avec un lance-roquette. Ça n'a même pas explosé. J'ai eu le direct. Ouais, ils sont pas si loin l'une de l'autre. Ça. C'est bon, mission reprise. Oh putain, l'hélicoptère est pas stable, hein. Faut savoir maîtriser l'hélicoptère. Ouais. Faut le dompter. Pas juste une question de maîtrise. Ok, c'est bon. On confirme, j'allais récupérer Tix. Et pas quel jeu. Ouais, bah j'aimerais bien que tu déchires ailleurs. J'ai besoin que tu joues les filles modèles. Du calme, je suis déjà rentré. Il y a un hélicoptère là-bas, les gars, derrière vous. Ouais, je sais. Tout va bien. Vous avez parlé de quoi? J'ai juste à côté de toi, Mathieu. Ta mère va m'aider à faire échouer un projet stratégique pour Skell. Sérieux? Ma mère? Tiens, pas dessus. Non, elle bosse pour Sentinelle. C'est une traîtresse. Le monde n'est pas aussi manichéen que tu crois. Je sais que ma mère peut me protéger. Ça part d'une bonne intention. Qu'est-ce qu'il bouge cet hélicoptère là? Ouais. La situation est compliquée. Là. Ouais. Allez, saute-toi. Cet hélicoptère là, c'est le plus furtif qui. Tu peux sauter en parachute ou pas? Je pouvais pas sauter en parachute. Là, vas-y. J'allais chercher Azer. Shadow, au niveau du... T'as pris l'extension aussi, toi, aussi? Si, j'ai tous les deux, c'est... Bah, il y a que ça, là. État profond, et puis... l'autre, c'est Red Patriot. État profond et Red Patriot, ouais, c'est les deux seuls DLC. Tout le reste, c'est des mini-DLC, puis... Motherland, c'est un DLC gratuit. Motherland, ah. C'est le mode conquête. Revenons aux choses sérieuses. Ouais.
La situation est compliquée. Il est stationné là-haut. Ça, je te l'accorde. Ok, nomade. Je te crois. Je suis limite fière d'elle, du coup. Parce que pour aider quelqu'un de ton niveau, il faut pas mal de cran. Et elle sait. C'est l'hélicoptère le plus furtif que tu peux avoir. De rien ouais. Cacher. Non, rien du tout. Non, c'est de l'autre côté. Il n'y a que place passager. Ça, je peux voler. Littéralement au-dessus d'une base ennemie avec, je suis pas détecté. Ah ouais? Tu l'as payé combien celui-là? Je l'ai pas payé, je crois. Ah ouais, on entend, c'est, vrai que c'est vrai qu'on entend pas, hein? Ouais. Ben, ils t'ont détecté, non. Mais... Là, ils m'ont détecté, mais peut-être parce qu'ils étaient à l'affût avant. Là, t'as un minigun que tu peux utiliser, du coup. Je touche pas le mec, c'est bizarre ça, je touche pas le mec. Et ça t'a fait descendre de l'hélicoptère, non? Non, je suis mort dans l'hélicoptère. Ah ouais, je te vois. Moi, je te vois aussi là où j'étais. Que là, c'est bon, t'es revenu à ta place. Je vais désactiver le courant. Si tu veux, tu peux piloter l'hélicoptère, je vais me mettre au minigun. Attends, il y a un slide. Moi, j'ai mes précisions en artillère. Ah ouais? Bah ouais. Non, quand tu contrôles et que tu mets des trucs pour les mitrailleuses, et bah en fait, c'est même pour les miniguns. Donc en gros, quand t'es dans un véhicule, ta ligne, elle va toujours droite, il y a zéro dispersion, etc. Quoi. Regarde. T'es ouais. Rapide, toi. T'as comment c'est toujours droit? Ah ouais? J'ai pas de, en fait, de dispersion sur les lignes. Attends, y'a les drones là, y'a. Et... les drones. Où? En dessous. Moi, il est mort le drone. Ah, lui, je l'ai touché un peu. Ouais, c'est bon, je l'ai touché. Il y a une grosse. Un robot là. Un point de la furtivité avec un gros armement. Attends, il y a un snipe sur le 3 là. Balayé. Et j'ai dit. C'est vrai qu'il fait pas beaucoup de bruit, il est vraiment silencieux. Et le pire, c'est que dans le shop, vous pouvez l'acheter, hein, parce qu'il y a une version MK2, donc là avec des missiles. Donc le pilote, il peut aussi tirer. Et là, on peut le poser sur le toit sans problème. Oh. Ah, il est en dessous. Elle est là, Samia. Ok, c'est bon. Très maniable, très furtif. C'est pour ça que je l'aime bien. Ça a l'air d'être l'entente cordiale ici. J'ai fait des manœuvres entre les arbres dans le marais là. Attends, vers maman, c'est la tête avec nos disputes. J'étais au-dessus de la rivière, je faisais des manœuvres nomade a fait ce que entre tu les arbres. À ras de la rivière. Ah ouais? Tu dis les dynamiques de groupe, avec... la synchronisation des animaux migrateurs. Des recherches utiles pour ceux qui veulent améliorer la communication entre IA. J'ai contribué au développement du Légion, le drone. Comme ce DLC là, j'ai déjà après fait. Ça, le jeu, je l'ai fini sur mon sort. Ready pour le projet qui vous amène. Ah ouais, ouais. Une communication de groupe avec un niveau de. En fait, tu dois jouer à un machin en immersion, toi. On a un avion prêt à extraire le stratège pour qu'il réponde de ses crimes. Actuellement, non? Vous pouvez faire quoi? Non. Au début, j'avais un deuxième personnage pour ça, mais. Le temps que l'avion quitte la zone. Il est en. J'ai remis en niveau le deuxième personnage. Ça, c'est le premier. Merci, Dr. Mackenzie. Nomade, tu pars maintenant? On m'appelle ailleurs. Fais-toi toute petite, ok? Et laisse mes transmissions tranquilles.
T'es pas drôle. Bonne chance quand même. Je voudrais pas être à la place de Sentinelle. Attends, c'est quoi la prochaine mission là? Mission. Ouais. Ça c'est fait. Mackenzie, c'est fait, les Intel. Drone. Ah, ça c'est. Ah, la carte mère. Il y a que deux places, ça va avoir la deuxième place. Ok, on va aller voir le. Pas de place à l'arrière. Non, c'est deux places Blacklist. Hop, t'auras 4 TP sur nous. Ouais, ouais. On fait les éclaireurs. Et c'est bon. Faudrait aussi enlever le point A qu'il y a sur le bivouac. Quel point A? Bah, apparemment, t'as mis un point A sur le bivouac. Ah! Oui, mais. Vous êtes tout à l'heure, je crois. Vous êtes là. On met en file là. C'est là. Ben, la mission est affichée là-bas. Attends, j'ai des épingles là. Attends, j'ai des épingles, celle de Van Dyke. Hop. C'est quoi ça? Là, on est celle. Sur celle de Sphinx. Ah, c'est celle-là, là, Sphinx. Bah, tu l'as épinglé, ouais. Non, c'est sûrement, ouais. Là-bas, c'est. Non, là, ce que j'ai épinglé, c'est du 3. C'est pas bon. Du 3, là, j'ai quoi? C'est du 2. C'est celui-là. Du coup, il faut que je réépingle l'esprit de ruche. C'est lui. Esprit de ruche, ouais, c'est le 2, ouais. Voilà, remplacement. C'est bon. Approche à grande vitesse de l'objectif. 800 mètres. Vous pouvez commencer TP, hein, j'y suis. Ça pue pour Van Dyke. Il faut que je le trouve. Lui là-haut, pas besoin. Pas besoin d'utiliser des balles. Sa femme, elle est morte. Ces fumiers ont tué sa femme. Van Dyke. Par contre, impossible de savoir où se trouve Van Dyke. Alors. Vin Van Dyke, où il est? Il veut le signal des Wish. Par ici. C'est ça qu'ils appellent les ruches. Les ruches nous mèneront à lui. Il y en a une là. Ouais.
Moi, je monte à bord de l'hélicoptère. Pour suivre avec plus près. Sinon, tu veux pas monter et que je te dépose à chaque ruche? Non, c'est bon. Et là-bas. Car un moyen plus rapide. Ah, il a pris la moto. Watix, il aime beaucoup la moto. Ouais. Il y a des mecs qui arrivent là. Il y a un convoi, c'est pour ça aussi que peut-être qu'avec le minigun, tu pourrais rafaler les. Ok, c'est bon. C'est un convoi qui approche ou c'est quoi? Ouais, ils approchent. Ah non, ils tournent. Ouais, dommage. Ils tournent juste sur la route qui suit. Ils ont capté le truc, ils ont vu la voiture qui s'est fait allumer, ils ont tourné tout de suite. Chacun dans le véhicule. Watix, t'es où? Ouais. La moto? Ouais, t'as toujours préféré la moto, toi. Rien à dire. Rien à dire. C'est bon. J'ai sauvé Van Dyke. J'entends la voiture. J'entendais la voiture qui se rapprochait dans la cinématique. Escorter le mec là, il faut escorter où? Ah, il est là-bas. La centrale solaire. Tu prends l'hélicoptère ou l'escorte? Ouais. On se bouge. Hop. Amen. Attends. Escorte la centrale solaire et puis le blacklist. Allez, vas-y. Et vas-y, mon frérot. Bah, j'attends qu'il rentre. J'aurais jamais dû travailler pour cette société de malheur. Peu importe le projet. Il n'y a pas d'autre place, hein. Je cherche pas cette deux places. T'inquiète, j'ai pas la... Il est parti. Il a pris la moto lui? Je pense. Là. Je... Un type m'avait proposé un poste. Il voulait un algorithme pour ses drones produits à la chaîne. Pourquoi pas? Je suis expert de intelligence de ruche. Comment la reconnaître? Comment l'influencer? Vous ne saviez pas qu'il fabriquait des armes? Pas avant qu'il soit trop tard. La situation a dégénéré. Ils m'ont attaqué. Je savais pas quoi faire d'autre. Je dois nettoyer la centrale solaire. J'aurais besoin d'un pilote. Bon, j'arrive. On va faire le balayage pour le nettoyage. Ça va les gars, pourquoi la base? Attention. Oh putain, Patrick s'est dépassé comme une flèche. Ah ouais, j'ai vu ça. C'est parti, nettoyons la centrale solaire. Attention au panneau solaire, décale sur la droite quand tu décolles. C'est moi. Là, ils ont tout vu. Il y a de la verre. Est-ce qu'ils ont vraiment vu quelque chose? Ouais, merci. Il y a le sniper là, il y a le sniper. Oui, tu vois que je le détraille, non? C'est bon, non. Je sais que c'est un hélicoptère, hein, mais il faut pas bouger tout le temps. Quand tu me fais perdre ma précision malgré le. Oh! On prend des balles de partout là. Attention, bouge pour ta sécurité.
pas trop non plus quand je tire, mais quand tu vois que tu prends des balles, tourne. Ils sont tous morts, je crois. Non, non, il y en a qui n'étaient pas marqués. Il y a une voiture qui arrive, les gars, il y a une voiture qui arrive. Où? Je suis en train de voir, il y a une voiture qui arrive là, en rouge. Ouais, bah, moi je la vois pas la voiture actuellement. Non. Ah là, là, il y a du monde là. Oh, lui, ils avaient allumé. Là, j'ai pas de vue sur eux vu qu'ils sont dans le bâtiment. Par contre, ils sont en fait. Mais t'as les gens quand même, ils tournent autour du machin. C'est bon. Là, il va falloir rester en vol parce qu'il y a des véhicules qui arrivent. Oui. Donc, faudra qu'on les fasse exploser à l'aide du Blacklist. Il y a un drone quelque part. Oui. Oh, il y a un drone là. Hein. Où? Là. Ah ouais. Il y avait un drone. Il y avait un drone. Normalement, les premiers véhicules vont arriver de la route. Hein. La route qu'on a juste en dessous. Là, ici, là, là. Normalement, ouais, ils arriveront par là. Si je dis pas de bêtises. Toutes mes recherches sont là-dedans. L'alarme se déclenchera dès que je lancerai l'effacement. Vous allez devoir me couvrir. Il y a une... Ils arrivent déjà. Watix, c'est sur la droite, ça vient. Ah, derrière nous là. Mais Chabé, comment t'as fait que t'as 258 et moi je suis maximum, je suis bloqué, t'as fait un moment à 249. De quoi? Je suis bloqué. Et du coup? De quoi t'es bloqué? Il y avait un hélico. Moi c'est normal, c'est parce que j'ai fait les raids en danger maximal. En danger critique. Ah ok, d'accord. Bah, j'ai fini le jeu, quand je dis j'ai fini le jeu, y compris les raids, c'est que j'ai fait tous les raids, tous les types. 90%, c'est presque fini. Et il y a un truc sur lui. Il y a un drone de roquette. Un gros drone incubus. Y'a un mec là, en dessous. Ils arrivent là. Sur Van Dyke. Sur Van Dyke. La Pix, rapproche-toi du... Parce que la... Mais à côté... Ça court, hein, mais c'est pas tellement précis. Hein. Il faut encore, que je monte la compétence hein, pour que ça soit vraiment droit droit. Il y a du monde encore, hein. Baisse un peu.
prendre une marqueur, mais... Ça, il est pas crevé. Le mec, il... Il esquive toutes les balles, c'est Matrix. Il est résistant, le mec. Ouais, c'est Matrix. C'est bon. La dernière, il l'a prise. Watix, il faut que tu parles à Van Dyke. Non, faut que je la soigne. Ah ouais ? Il est tombé ? Ouais. Elle était KO. Elle était down. C'est il, ça les gars. Oh la merde. Nomade. Quelle est la suite ? Je crois avoir trouvé un moyen de détruire le clos s'il nous attaque. Il faut qu'on se prépare au pire. Et c'est clairement le pire cas de figure. Tu m'expliqueras tout ça plus tard. Bien reçu. Boum. Alors la suite, c'est quoi faire là? Alors épisode 2. Donc là, les Intel... Ouais. C'est pas la mission avec le Sphinx, par hasard. Bah, Stéphanie, non, il y a une mission avec le Sphinx à faire là. Ouais, c'est ce que je dis. C'est celle que t'avais épinglée pendant un moment. Ah, c'est celle-là. Ah, celle-là. Non, pas celui-là. Le Sphinx, c'est où? C'est bas les masques. Il me semble que c'est bas les masques. Là-bas? Non, ouais. C'est 2, 3. Ouais. Si. Identifié, abattez Sphinx. Ouais. Si, c'est ça. Il a raison. Où ça? Tout à gauche. Là-bas. Moi, j'allais me taper dessus. Là? À gauche. Ah, c'est celui-là. Mais non, mais c'est 3. Pour moi, c'est la mission 3. Ben, 03, 03, c'est épisode 03. Non. Ah. Bah, les masques. Bah, les masques, en haut, en haut, en haut, mission en haut, c'est 03. Mais c'est marqué 03. Oui, 02. 02, c'est là-dessus. Disparu au combat. Ouais, c'est 02, non, on fait pas l'épisode 03 là pour l'instant. Le 03, c'est le Red Line. Ouais, c'est Red Patriot. Ouais, c'est ça, donc c'est celui-là là. C'est quoi? Et... Droit du plus fort. Ok, ou c'est à côté? Non, c'est pas à côté. J'ai été me TP là-dessus alors que c'était pas là-dessus. Attendez. Ta moto, la voiture? Ouais, j'ai la voiture. Voilà. Je vais bivouac un peu proche. J'entre dans le bivouac. Matrix, tu veux prendre la voiture? Ah, t'as pris la voiture, mais t'es presque arrivé là. Ouais. Tu vois qu'il est vraiment silencieux cet hélicoptère. C'est la Matrix. Pointe du furtif. Tu es mort là, Matrix? Ouais, j'ai foncé dans l'eau, j'ai essayé de sortir de la voiture avant de sauter dans l'eau, mais ça n'a pas marché. Malheureusement, ça fait un plouf. Ouais, j'ai fait un plouf et j'ai suis passé. Vélo à 130 km/h, ça peut pas donner. Heureusement, c'est pas comme ça en vrai. Les gens, les voitures qui tombent dans l'eau, paf, tout de suite, ils meurent. Ça, c'est vraiment nul. Là, tu vois, t'as le Blacklist MK2 standard. En fait, c'est la même chose avec le minigun, mais des roquettes en plus. Et un petit peu plus de balage.
Niveau 60 000. Ah, 60 000, mais j'ai 400 000, ça va ? Bah ouais, ça va. Deep Blue, je suis pas loin de Stéphanie. T'as des infos sur elle ? C'est une conseillère juridique de la Silicon Valley. Moi, j'ai 33 000. Encore. Une trentaine. Une conseillère juridique pour le clou. Ça n'a aucun sens. Je vais voir si je trouve autre chose. Oui. Ça cache forcément quelque chose. Tiens-moi au courant. Entendu. Je vais sortir un truc un peu moins furtif. Ok. Du haut de gamme. Pour ce qui est des formes de guerre. Ok, c'est bon, je nettoie. J'ai nettoyé un peu la zone là, les gars. Je sais pas où ils sont où là, les mecs. T'inquiète pas, le nettoyage de zone, il arrive pas. Il va voir l'enfer qui va se déchaîner sur eux. Il y a quelque part par là, là, là. Tout stock, cassez-vous, les gars. Ok, c'est bon. Stéphanie Burgess. Oh, t'as pris quoi, un hélicoptère, ouais. Je l'ai dit, c'est un petit peu moins furtif. On l'entend, hein, celui-là. Ouais, c'est le but. C'est marqué bruit suspect, Shadow. Oui, je sais, mais le bruit suspect va se transformer. Kill. Attends, y'a un sniper là, sur le. Bon, moi, j'arrive en voiture devant. Bah non. Un sniper. Putain les gars, vous faites du bouillard. Là. Moi, ouais, ouais, je sais, je suis en train de faire. De mener une guerre contre eux. Quand je t'ai dit que j'allais déchaîner l'enfer contre eux, t'inquiète. Bah voilà. Ils sont là. Y'a même des boîtes qui arrivent, regarde. Où ça? Bah Tix, moi Tix, il. Tu l'as eu? Tu l'as eu, Watix? Ouais, je suis au snipe. Boum. Bien joué. Boum. Et, il a pris cher là, l'autre là. Il s'est pris 4-5 roquettes dans le crâne. C'est Vietnam. J'ai l'impression de repartir au Vietnam. Mais c'est bizarre là, non, c'est là qu'il faut y aller et y'a rien. Il faut aller parler à quelqu'un peut-être. Oui, il faut parler à quelqu'un. Aller quelque part dans une maison, il faut trouver. Ouais, il faut parler aux intels pour dire où la personne allait. C'est bon, il n'y a plus personne qui veut venir nous embêter là. Sinon, je leur remonte le chemin de la sortie. Ah, c'est bon, t'as trouvé quelqu'un? Ouais. Voilà, Stéphanie. Et bon, le leader il est passé. T'as tout nettoyé toi. C'est vous Stéphanie Burgess? Ah, vous êtes des sentinelles? Vous n'en avez pas l'air. Indicatif nomade. J'ai trouvé votre nom lié au projet Clos et un le individu décédé. Qui se fait appeler... La voiture elle a ramassé vos missiles. J'enquête sur cette affaire et certaines choses m'inquiètent. Chut, pas si fort. Attention Otis. Ils sont morts, ils sont morts. On va sortir de la ville. Je mets toi quand même la voiture. Trouver un endroit calme pour discuter. Qu'est-ce qu'ils ont eux? Boum. Vous avez un véhicule pour Stéphanie Burgess? T'as tout explosé là. Il y a une Jeep encore ici en état. Juste en dessous. Ah si, celle-là. Ouais. Attends, il faut que je lui dise de venir, quoi. Elle peut pas monter à moto, là. Non. Non mais, la moto, elle est toujours une place. Je te suis toi, tu qui. Elle va me suivre, hein. Bah, allez, viens. Elle est dans la Jeep, de toute façon. Allez, viens là, ma poule. Là, juste là, il y avait une voiture toute neuve, depuis le début. Elle est devant l'hélico.
Tu m'aides ça. Là, j'ai été trop fort là, j'ai pris le virage à une vitesse. Ouais. Elle est proportionnelle. J'aime pas ça. J'ai pas joué ça. Oh, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit une fois, j'ai dit deux fois. La troisième, c'était la punition. Je fais ça à tous ceux qui tirent quand je suis dans un véhicule. T'es pas le premier, tu seras sûrement pas le dernier. Là-haut, je sais pas ce qu'il avait regardé, mais il est plus là. Elle monte pas dans le bateau là? Non. Elle veut pas monter le bateau? C'est pas ça. Elle veut qu'on rejoigne la base navale. Elle nous a juste dit où on pouvait. Un kilomètre, machin, chouette là? Un kilomètre de là? Ouais, ouais. On doit effacer ses données en fait. Allez, c'est bon. Hey, Watix, tu montes? Vas-y. Je suis devrait être prêt. Ah là, que c'est beau. Vous voyez l'hélicoptère au loin qui est bien au-dessus de l'eau. Vous aviez quelque chose d'important à dire. J'attends vous arriver quand même. Je voulais vous donner des précisions sur le lieu. C'est une base navale dont Sentinel se servait avant le blackout de Roa. À l'intérieur, il y a un centre de données. Il garde l'historique des visiteurs et des VIP. J'attends que vous soyez en place pour vous montrer un petit show aérien avant d'attaquer. Dites quand vous êtes OK. Bah déjà y a personne, on les voit même pas. Si, ils sont intéressants. Merci. Je te le dis, tu arrives, ils vont tous servir. Y'a un petit i là, faut lui. Attends, faut l'interroger là, le petit i. Attention, n'allume pas tout de suite. Ouais, ouais, t'inquiète. Attends, le signal. Attends, le petit i, je vais le faire. Je vais l'interroger là. I. Le petit i. I. R-A-S. Il est où le. Ah non. C'est même pas un MMH, c'est un truc. Est-ce que je. Je déchaîne les enfers sur eux. Non, même pas. Pas encore. Attends, mais enquête. Ok. La salle des serveurs. Bâtiment nord-ouest. Nord-ouest. C'est bon, tu peux. Je déchaîne les enfers, c'est parti. Il s'amuse. Ouais. Attends, y a le mec avec les deux parleurs là, celui-là. Est-ce que tu peux t'en occuper là, cadeau? Moi, je peux pas aller dans un bâtiment. Sinon, je l'aurais dit allumé, rassure-toi. En tout cas, dehors, il ne restera plus personne. Il est où le machin là? Il est mort. Si tu cherches le mortier, je te le détruis maintenant. C'est bon. T'as déjà fini là? Ouais. J'ai gratté les données. Il y a plus qu'un gars dans le bâtiment là, que Watix. Ouais, il est enfermé dans une pièce. Il représente donc aucun danger. S'il y a ses petits potes qui se ramènent via le tunnel, t'inquiète pas que je les attends. Attends, j'arrive. Mais Watix, tu es où? Ah, de l'autre et côté. Dans le bâtiment en fait des serveurs. Dans l'objectif. Moi, rien ne me fait peur. Il n'y a pas de danger avec moi, car je suis le danger. Pas pour vous, mais pour eux, je suis le danger.
Ah mais il est déjà arrivé, Watix. Ouais. Il était déjà sur site, il t'attendait juste. Pourquoi le gars il est peut-être sorti de sa salle. Ok c'est bon. Voilà. Il vient de sortir. Bon, il est où le truc? C'est à l'étage ça? Ouais, il est à l'étage, le serveur. Je sais plus si on va devoir le couvrir ou pas. De toute façon, il n'y a qu'un accès. Il n'y a qu'un accès, donc vous inquiétez pas qu'ils vont être reçus s'il y a des gens qui arrivent. Reçu par une jolie flambée de missiles. Il est là. Yes, c'est bon. Je crois pas qu'on va devoir le tenir le serveur. Il semble pas. Ok, c'est bon, on pirate. Ouais. Moi, je suis prêt au cas où. Le meilleur, c'est quand j'ai détruit le mortier, j'ai fait gaffe à pas toucher à l'hélicoptère pour que vous puissiez vous en servir. J'ai pensé à vous. Consultez le profil de Stéphanie. Stéphanie, elle est où là, Stéphanie? Ton profil. Consulte ton profil. Ok. On a effacé toutes ses dettes. On a trouvé Stéphanie. Les pirates et son compte en banque, j'ai pris tout l'argent. Là, c'est bon. On a effacé son ardoise qu'elle avait dans tous les bars. Du coin. Tous ses paiements en retard. On lui a tout effacé. Tout zéro. Ok, c'est bon. Oula. Stéphanie. L'hélico est sur l'héliport juste à côté de moi là. Il vous attend, c'est un Little Bird. Oh, et ça prend du monde là, celui-là. Ouais. Il peut être. On est 7000. Et faites attention quand vous allez décoller parce que passer les montagnes derrière, il y a plein de décès. Je rappelle qu'on est dans la contrée la plus. Avec le plus de DCA de la map. Dans Channel. Allez hop, allez. Allez descend. Il est où Il est où Moi je suis au-dessus. What takes two? Je tiens de monter dans mon lit quoi. Yes, c'est bon, allez va go. Ah mais non, ça va, les DCA pour l'instant ils embêtent pas le monde. Quoi? T'as donné? Ah ouais? Attention! Mais bon, par contre, il y a des drones murmures. Si vous pouviez dégommer ceux qui doivent me poursuivre. Ouais, d'accord. Ils m'ont même pas suivi, les drones murmures. D'accord. Stéphanie, répondez. Désolé, Nomad. Elle nous a empapauté. Hein? Pourquoi? Je n'ai pas le choix. Je dois effacer toutes mes traces. Il faut que vous disparaissiez. Oubliez notre rencontre. L'hélicoptère est en approche. On lâche les missiles. Oh. Oh. On a eu des bombes. Ah, là, pas... J'ai tué. Ah mais il y a un mec qui me tire dessus. Et qui me tire dessus là. Tout va bien, j'arrive. Le ah oui, il y a le wolf qui sont là. J'ai tué l'hélico des mecs. Coucou les gars. Ah, j'ai pris une balle. Il était où? Ah, derrière moi, il y en a deux. L'assassinat en direct. J'ai vu, il s'amuse, Shadow. Mais il y a encore des wolves là? Ah, c'est parce que l'heure elle est vachement tardive chez moi, mais sinon je pense que j'aurais gueulé la phrase bonjour Vietnam. Mais t'habites où toi? Je suis dans le nord. Ah, mais t'es du nord. Nord. Allez, il y a une voiture. Nouvelle mission.
que j'en prenne. Vous pouvez monter du coup. Du coup, on m'a descendu mon coucou. Ne vous inquiétez pas pour les PCA, que nickel pour les skis. Dans Wayland, il y a carrément, dans une vidéo YouTube, je pense que j'essaierai de la retrouver pour vous le montrer, mais on voit carrément un passager du coup qui faisait un live, et on voyait une vraie scène d'action de l'hélicoptère derrière, qui traquait l'hélicoptère, et il le voyait de vraiment vu de passager, comme dans les applications. C'était insane. On va où du coup? C'est l'émission avec les pagnes, pas les masques. Mais c'est une 3 ça. Salut Sphinx. C'est de l'épisode 3. Ah, c'est l'épisode 3 les gars. Bah non. L'épisode 3 c'est Red Patriot. Ouais, c'est ça. Oui. Non, on est dans l'épisode 2. Là parce que sinon il y en a un truc qui va crever. Et même l'hélico avec, je crois. Car normalement c'est marqué édition principale. Quand tu vas l'enlever. Attends. Pendant ce temps-là que j'allais voir un petit peu. Je crois que c'est sur Karel. Attends. Je veux dire. Bon. Non, c'est ce mec là, il faut faire maintenant. Il faut que tu épingles la mission. Voilà, c'est bon. Le solitaire, voilà, ça c'est la bonne. Et là-haut, ah oui. Donc on bat. Je vous laisserai vous parachuter. Tiens, voici. Elle est grande quand même, la carte. Ah, elle est massif, hein. Ouais. Au début, c'est long parce que tu peux faire les bouffons, tout ça, pour te permettre de voyager plus vite, quoi. Ton micro est encore trop près. Celle de Wayland, elle était un petit peu plus grande. Là, on est sur une île. Donc, je crois, c'est pas toi que j'ai vu hier. Mais apparemment, elle est située. Elle appartient à la Nouvelle-Zélande. Ah ouais? Oui. Apparemment, cette île-là, elle appartient à la Nouvelle-Zélande. Elle est liée par les États-Unis. Vous allez pouvoir vous parachuter, juste une info, faites attention, il y a des mines sur le terrain. Vous entendrez les cliquetis, tout ça. La personne qui est encore dans l'hélicoptère pourrait se parachuter. Merci. Le déploiement rapide. De toute façon, on empruntera, alors je crois qu'ils en ont un d'hélicoptère. Hop. C'est parti. Et petite question supplémentaire qui n'a pas du tout rapport avec le sujet, mais vous avez reconnu mon skin ou pas? Mon skin? Ouais. C'est Ghost de Modern Warfare 2. Je suis prêt pour prendre Karel. Quand il était dans les favelas. Pas grand chose. Mais rappelle des enfants. Ouais. Dans le cul. C'est un plaisir. En effet, c'est pas grand chose. C'est ça. Fais gaffe, il y a un drone lourd. C'est bon. Aïe. Tout va bien. Et hop, je suis de retour. Bah, j'ai tué les trucs là. Fille. J'ai un invisible. Coucou madame.
T'inquiète pas pour le drone. Le drone, je l'éclate. Vu que, en fait, j'ai tous mes atouts, c'est des atouts tueurs de drone. S'embêter avec eux. Tu utilises quoi comme tactique? Tu appuies le truc de drone là? Les trucs. J'ai la touche chasseur de drone en fait. D'accord. Donc pour chaque drone que vous éliminez ou quoi, les petits drones, etc., je regagne une partie de mes PV. Tout le reste après, c'est des trucs de soins. C'est sang-froid, inspirer. Mais sinon après c'est par mes armes en fait, du coup j'ai fait les raids en critique. Et bah toutes mes armes ils font plus de dégâts que les drones. Ils ont une spécification supplémentaire que les drones. J'ai encore dalle. Ah, si. Alors. Il est près du barrage. Dans la zone interdite. Ok. On reprend notre hélicoptère. Quel hélicoptère? N'a plus? Non. TP-vous sur moi, j'ai un bivouac juste tout près. Je vous y emmène. C'est à côté là, en plus. Ouais. Juste à côté, il y a juste un pont entre les deux, c'est tout, on est arrivé de l'autre côté. Impossible, tu es au combat. Pourquoi je suis en CTP, on est en combat toujours. Vous avez engagé le combat avec quelqu'un? Non, même pas. Y'a rien. On est en mode invisible. Je vais réessayer maintenant. Je viens de sortir du bureau. Ah, c'est bon, ouais, c'est bon. Je vais juste. Attends. En voiture, attends, laisse-moi conduire Watix. Ouais, j'ai pas encore testé. Elle est belle la voiture. Moi j'ai déjà vu. La bosse de radiation. Elle a 4 places. Nomad, j'ai elle a 4 places, t'inquiète. Avant d'être recruté dans si on voit à peu près. Avec tes visions nocturnes, il dépasse du tout carrément. Ça te dit quelque chose? Bodark. Ouais, j'en ai entendu parler. C'était une des cibles prioritaires de Ghost il y a pas longtemps. Comment t'as fait pour remonter aussi vite jusqu'à eux? J'ai appelé Ghost. Je voulais voir si avait des... Ah bah c'est une deux places, non? Il a mis du temps à cracher le morceau. Ah, normalement tu comptais, voilà. J'ai carré la postulée chez Paladin. T'as vu? Eh ben non. Ouais, une bosse à une radiation. Par contre, t'as pas tout bien. Tout de suite envie de le rencontrer. On va passer sur le barrage du coup. Voilà. Oh merde, le drone il m'a boité. Attends, on va se garer. Je vais m'occuper du drone parce que ça murmure. Voilà, le drone il est par terre. On va pouvoir soigner. Hop, bonjour, check-up médical. C'est qui me tire dessus là? Ah ouais. La voiture elle est en feu, descendez. Descendez, voiture en feu. Bah, je veux pas descendre. Pourquoi je veux descendre? Là t'es descendu. Ah bah là je suis descendu, je suis mort. Je peux te le dire, t'es descendu. Non, c'est pas grave, ils ont offert Je suis assez coincé dans la fenêtre. Ouais, t'as vu une lueur blanche. Je suis un Terminator, au possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? T'es déjà au point, t'as vu? Ça t'a servi. Mm-hmm. Non, on va attendre là, du coup. Ben, c'est marqué interroger le mec, je peux pas l'interroger. Je peux pas me téléporter sur toi, c'est bizarre. Non, combat.
Non, il n'y a pas de combat, nous. Ah ouais. Nous si, on a un combat. Ouais. C'est ceux de l'avant-poste. Ouais, c'est bon. Ils ont toujours un collimateur. C'est bon. Putain, mais pourquoi il peut pas parler, le mec? Ça y a un bug, là. Oh, putain, oh, mais... Vous. Pourquoi je veux pas l'interroger? Ah, vous êtes de l'autre côté? J'ai accepté votre cadeau avec vous. Accès rapide. Hop. Pourquoi vous êtes de l'autre côté? Maintenant, je suis là, moi. Merde, je peux lui parler au type. Ça doit être toi, le gros. Je passe tous les dialogues. Karel Sekulic. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est bon. Tu sais qui je suis et tu sais ce que je fais. Je te trouve un peu cavalier. Tout le monde l'a fait, je crois. Surtout pour un wolf. Je viens d'entendre parler de Stéphanie. Tout le monde l'a interrogé. T'en as fait baver, apparemment. Et si c'est pas le cas, ben, je lui mettrai une balle. Si j'ai bien compris. Disons que j'ai connu pire, mais effectivement, start la mission parce que ça fera peut-être qu'en fait, elle avait bugué. Écoute, je peux te conduire à elle. Si c'est pas ça. Je peux même la pousser à te donner toutes ces infos sur le cloud. Mais pour ça, j'ai besoin d'un service. Je t'écoute. Ils ont bien protégé la maison quand même. Des petites terrasses extérieures, mais il est... Déserté. Comme du grillage ou du barbelé. Quitter les wolves. Les cadavres. Mais tu peux quand même passer par les chaînes. De mission. Tout a été falsifié pour me permettre d'échapper à cette vie. C'est un plan plutôt radical. Ça encore, c'est rien. Bah oui, parce que t'es pendant la mission. Que les ghosts. Et tu te mets dans la mission. Je comptais monter toute une opération des ghosts du côté du barrage. Passer le truc. Mourir dans l'explosion d'un transformateur. T'as passé le truc. Et c'est là que tu débarques. Non, je l'ai pas reçu. Tu t'es dit que ce serait plus crédible. Bah normalement, t'as un point sur la carte. C'est affiche loup solitaire. Là, j'avoue que t'as pas de point dessus. Ouais, un truc dans le genre. Alors, il faut que t'ailles dans ton tableau d'objectif, épisode 2. Place-les tu sur vas cadavre. Tout à gauche, t'as Karel, c'est qui radio sur le corps. On pourra mission normalement avec. Qui est affichée dessus. Il l'a pas. Je te dirai tout ce que tu veux. Ah mais normalement, il peut quand même l'épingler vu que nous on l'a épinglé. Sinon, okay, il faut que tu la désépingles et que du coup, ça lui mette le message pour la faire. D'accord. Attends. Je désépingle. Ouais. Puis ensuite, tu le réépingles. Ok. Et normalement, là, ça lui mettra. À l'écran, la mission. Là, j'ai désépinglé. Ok. Là, c'est bon. Et là, j'ai épinglé. C'est bon, c'est bon. Normalement, tu peux l'interroger. Non. C'est bon. C'est normal. Ouais. C'est pour démarrer la mission. Pour le bien du monde. Ah, tu l'as tué? Bah, j'étais obligé. Je fais redémarrer la mission. Au moins, tous les codes, ils sont en refond, etc. Une balle, pas deux. Bon. Bonjour. Police nationale. Ça doit être toi, le ghost dont j'ai tellement si je veux, parler. Je le fais, lui dit Farmer. Et là, tu vois, ça, ouais, c'est ça. Fait. Ça tu a passé sais le qui fait. Je suis et tu sais ce que je fais. Placer les plaques d'identité carrées sur le cadavre. Surtout pour un il a tué tous ses alliés, n'empêche. Je viens d'entendre parler de Stéphanie. Merci. Elle t'en a fait baver, apparemment. Vous êtes proche, si j'ai bien compris. Je veux pas l'assassiner, disons que j'ai connu pire, mais effectivement, non. Je la règle de mes cadeaux de Noël. Je l'ai assassiné, t'as vu? J'avais bien fait de l'assassiner, parce que... Je peux même la pousser à te donner toutes ses infos sur le cloud. J'ai envie de le tuer avant de partir, tu sais. J'ai besoin d'un service. On prend Azer. Je t'écoute. En fait, ce que je voudrais, c'est... disparaître. Déserter. Quitter les Wolves. Les cadavres. On va attendre qu'ils reviennent. Planning de mission. Tout a été falsifié pour me permettre d'échapper à cette vie. C'est un plan plutôt radical. Regarde. Si tu veux, on peut le charger dans l'hélico. Si tu veux. Il suffit juste de faire croire aux autres que je traquais les ghosts. Je comptais monter toute une opération des ghosts du côté du barrage. Il faut le tuer. Mourir dans l'explosion du transformateur. Et c'est là que tu débarques, je pense. Tu t'es dit que ce serait plus crédible de mourir de la main d'un ghost. Comme ça, quand il est blessé, là, un sang dans les échos. Ouais, un truc dans le genre. C'est normal. Non, il faut pas le tuer. Rends-moi service. Place-les sur le cadavre. Tu trouveras aussi un émetteur de radio sur le corps. Non. Pourra communiquer avec.
Quand ce sera terminé, je te dirai tout ce que tu veux savoir sur le Claw et sur le stratège. Ok, je marche. Le seul moyen, ce serait de le mettre par terre et de le mettre dans l'écho. Ah bah non, il est bon, il est réveillé. Il est opérationnel. Non. Okay. On prend l'hélicoptère là ? Ouais. Non, arrête. Il est mort l'hélicoptère ? Non, à cause de lui là. Moi je l'aurais porté, j'aurais été déposé dans le bassin. C'est magnifique. Il a paumé notre. L'hélicoptère ? Oui. Il y a un bateau, on prend le bateau, non ? Il y a un barrage entre notre objectif et puis le truc. À moins qu'on prenne trois hélicoptères, non ? Attends, j'ai un truc plus près là. J'ai mon truc qui est là, il est prêt. Vas-y, Watix, TP toi sur moi, je suis plus près. Sans bivouac. Il fait des plans en drone. Coucou, il y en a beaucoup des gens sur la route. D'où bébé, tu vas voir comment on va débarquer. De manière insolite. Du jamais vu. Boum. Oula. T'inquiète, du dos rouge, normal. Il s'était pas à son bivouac, il est là-bas. Mais il est pas arrivé avant nous, quand même. Ben non, j'étais cherché un... J'ai changé de tactiste. Je vois. Il n'y a pas de trou dans le grillage ou quoi. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de grillage du tout. Ah, on aurait pu slide. Ouais, mais non, mais le véhicule ne passe pas. Ah, si, là. Oh. Oui. Bon, il y a de l'or en bas, mais. Un bateau, là, qui traîne, là. La clôture est chaude. Ah si, j'ai un bateau, oui, j'ai un bateau. Tiens, moi, je suis en bas. Ouais. Pas full, pas sage. J'ai un bateau. Ah, une échelle. L'efficacité tactique est dans son prime. Là, je suis coincé avec un hélicoptère. Ça, c'est trop pour eux. Ouais, c'est bon, il est mort. Pas mort. Cloaking device. Putain, je vais mettre ma tenue, chelou. Ok, c'est bon, ils sont morts. Pas les visuels. 3 normalement, non, 4. Hop. Vous êtes déjà sur place, hein, les gars ? Ouais, je suis déjà sur place. Allons. Le gars avec le sniper il est passé, bing. J'ai même pas regardé la lunette. Faire ça. Que je fasse gaffe parce que je crois qu'il y a des lasers. Et le diable sans double, etc. Bien la radio.
Comment tu le sais? J'étais en train de me faire repérer. J'ai mis le. Ok. J'ai mis le camouflage tout de suite. Qu'est-ce qu'il reste à faire avant de tout faire péter? Eh ben, il y a deux choses à vérifier. D'abord, tu dois falsifier le registre des visiteurs en signant avec mon nom. Ensuite, je veux que tu désactives le mécanisme de sécurité des transformateurs. Peu importe par quoi tu commences, comme tu veux. Ok. Je vais m'occuper de tout ça. Au fait, elle est à qui cette radio? À moi, mais t'inquiète pas. Je l'ai réglé sur un canal que personne de mon unité utilise. Il ne s'agirait pas d'avoir quelqu'un de sentinelle en ligne. C'est pas le moment d'être sur écoute. T'occupes du transformateur, je m'occupe du. En fait, t'occupes du point qui est à côté de toi, Otik. Vas-y. Attention, on se fait attaquer. J'ai repéré des ennemis. J'ai fini les préparatifs. Je dois savoir autre chose avant qu'on lance le feu d'artifice. L'arme que j'ai entre les mains, là, on peut l'avoir nulle part. Allume ça quand tu veux. La C1R. C'est une espèce de Galil modernisé. C'est bon, j'ai tué le. Son bruit est excellent. Faut détruire tout ça. Faut détruire les transformateurs, donc oui. Faut jeter un maximum de grenades et compagnie. Ça fait un joli feu d'artifice. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. C'est le moment de me renvoyer l'ascenseur. Okay, il y a les vagues hélicoptères qui nous attendent sur les héliports. Je suis responsable de la sécurité des VIP pour le Clo et conseiller tactique. J'ai décidé de consulter sur des tactiques. Regarde avec ton drone. J'ai vu que t'as stressé. T'es le jour d'arriver, t'as fait rien. J'ai vu le drone, j'étais préparé à jeter l'hélico carrément sur lui. Je vais pointer les voix, sinon ça va me perturber. N'essaye pas de t'introduire sur le site sans savoir précisément à quoi ressemble le clan. C'est bien noté. Oh, quoi. Venez et moi, on va se retrouver bientôt en pleine nature. Je vais t'envoyer les coordonnées. Par là, je crois. Tu seras là-bas, je la pousserai à te donner. C'est la Chavette. C'est la base des Viatons. Merci, je vais attendre. Ouais, c'est bon. Attention à vous, ne stressez pas. On va passer dans une bonne DCA. Si vous voyez faire des manœuvres, c'est normal. On commence à entrer dans le danger. Le danger. Je sais pas, le graphisme est vraiment bien fait, hein. À dire. Oui. Toujours. Je vois qu'il y a un gros à distance, mais c'est pas grave, on a autre chose à faire. Même si ça aurait été rapide, on est peut-être d'intercepter un peu. On va aller surprendre Stéphanie Burgess avec son chéri qui on vient de faire passer comme nous. Dites-moi, une minute. Bien sûr, pourquoi? Tu as un problème? Non, c'est pas ça. Coucou les tourtereaux. Stéphanie Burgess, je me disais que tu voudrais être présent pour la suite. C'est là que ça devient intéressant. C'est juste pour discuter. Merci. Rien d'autre. Calme-toi. On l'a tous encerclé. Bon, oui, hello, comment tu vas? Vous avez une bonne explication pour tout ça. Attention, ton micro, si il est encore trop près, donc à mon avis, ça a dû lui détruire les oreilles. Je comprends. Ah bon? Écoutez, ouais.
C'est une chose. Mais vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Donc pour les gens, en fait, c'est... Je travaille pour Lomax. C'est la destruction du L'un des fondateurs est Michael Lomax, un sénateur américain du sous-comité de la défense. Il use de son influence pour créer des mandats et financer ses recherches ainsi que des projets comme le CLO. Le projet CLO est financé par l'argent du contribuable et il a le feu vert pour le développer. T'as monté sur l'hélicoptère. Ça me complique le travail. L'autre fondateur est l'associé de Lomax, Ferro. C'est lui le stratège. Ce contrôle, ce pouvoir, il s'en est servi pour piloter ce projet. Les machinations d'État au plus haut niveau. Tout à fait. Je ne sais pas qui vous envoie saboter le même clou, si t'as des amis sur ton PC ou quoi qui... Soit ils connaissent qui jouent pas au jeu, rappelle-toi, il y a les frame pass. Leur faire automatiquement au jeu. C'est tout ouais. Je pense que ça devrait suffire pour qu'ils puissent commencer. Je te souhaite bien du plaisir à creuser dans tout ce merdier. Nous, on va y aller. L'île est verrouillée. Vous comptez y aller où ? T'inquiète pas pour ça. Je connais quelques endroits où on sera en sûreté. Garde quand même ta radio à portée de main. Je suis sûr qu'on se reverra. Va mettre ta perspective sur l'écran. Tel des bleus. T'as tout entendu ? Oui, ça ne me plaît pas du tout. Si je peux me permettre, cette mission, qui te l'a donnée ? La CIA. Dans le même canal que le reste. Je crois au total au niveau stream de Second, il n'y a que deux streamers et c'est toi et puis un autre qui s'appelle JPX, je sais pas quoi. Pareil sur PC, il est tout seul. Savait pourquoi aller couper les points. Ah ouais ? Peut-être que cette mission ne se résume pas à capturer le stratège. Tous les jours je viens d'appeler les nouveaux streamers. S'ils étaient au courant. Oh ! Tu devais savoir que leur stratégie. Merci pour le petit follow. Ça aurait été l'effet domino pour ses amis au Sénat. Et tous leurs intérêts de la ligne. Tout se serait cassé les gueules. On est en plein scénario des deux profonds. Le genre d'histoire dont les complotistes Salut pour le petit follow. Je sais que c'est dur à faire. Ils jouent à ce jeu là, les gars. Je sais pas. Mais si c'est pas si. En fait, c'est pas si j'ai plein de mecs qui veulent jouer au jeu, mais ils sont pas sous la bonne. Plateforme, ouais. On va savoir jusqu'où ça s'étend. Ça serait dommage quand même, non? Ceux qui ont le moins de mal à trouver des teammates pour jouer, c'est chez Xbox. Parce que forcément, il y a les billets. Il y a les publications communautaires, enfin, publications de groupe, qui est très cool, franchement. Je me servais de ça à l'époque. Exemple, quand je joue à Call of, c'est super bien. Il jouait plus tard pour moi. Ouais, mais sauf que là, on était un an, je crois, avant la rentrée dans le marché des gens multiplateformes. On était au début des gens multiplateformes. Donc il n'y avait pas encore une multiplateforme de paix. C'est qu'ils ont. Ushia Madara 111. Il y a quelqu'un qui connaît ce gars ou pas? Ah, je ne connais pas ce mec. Parce que tu sais, normalement, c'était chef de groupe, tu peux faire pour l'esprit et puis tu peux aussi changer la confidentialité du groupe en privé. Ah oui, oui, je connais le mec, non, Ucha Modara, tu me dis, ouais, je connais, ouais. Ça va. Ouais, santé ou pas? C'est marqué santé ou pas? What if c'était en... Ah ouais, non, il n'y a pas de mission. J'allais dire, t'es encore pas épargné à la mission, mais non, il n'y a pas de mission. Alors on fait quoi là maintenant? Il faudrait mettre la mission du coup. J'ai encore une mission puis je vais arrêter. Ça marche. Alors... Je suis sûr qu'il a 15 km. Ah non, il est là-bas, 4,5 km. Le général Paxton. Du coup, lui, il est dans le Discord ou pas? Non. Shadow, je vois que Shadow, il est...
Bah Shadow il est là. Il est là, bah laisse-le là. Je parle de Madara. Shadow, tépais-toi sous toi, sinon là. Mais je suis en train de piloter l'hélico. Ah Shadow, où je suis là. Une bonne question, ça trouve bien. Et regarde même pas ton live, ça tombe. C'est bon, je pense qu'il doit dire un peu. Non, mais je crois qu'en plus il parle anglais. Anglais. Oui, mais dans ce cas-là, s'il a pas de communication avec nous, je trouve ça perturbant qu'il reste dans ce cas-là. It's coming, go go. Je viens, ouais, bah, s'il se passe, on peut pas jouer. Maximum, on peut jouer à 4 là. Bah, ouais, on peut jouer à 4. Si c'est pas s'il y a Ushua, il parle anglais là. Attention l'arbre. Ah, t'inquiète pas pour l'arbre. Ça repousse. C'est quoi ton Iboa, c'est quoi ton machin? Donnez-moi quoi. Ton... Regarde, les snipes, les gars, les snipes. Quel snipe? T'as tout tué là déjà? Quel snipe? It's go go go. Ok, c'est bon, nickel. Et là, ouais. Quoi? Ok. Shadow est en train de faire le nettoyage de l'autre côté. Passe là mec. Allez, mais toi espèce. Allez, toi. J'espère que je vous dérange pas trop. Ah, le travail peut attendre. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là? Je m'appelle Nomad. Moi aussi, j'ai je des me questions déplace. À poser au général Paxton. Formidable, le vieux a enfin fini par s'attirer des ennuis avec Sentinelle. Je suis pas de sentinelle, mais je passe clairement des trucs pas nets. Tout ce que je veux, c'est savoir s'il trempe dedans. À cette heure-ci, il sort toujours en prenant sa canne à pêche. Il a son petit coin dans le secteur, mais il n'attrape jamais rien. J'en viens à douter de ses talents de pêcheur. Ah ouais, mais il est où son coin de pêche? Je descends, t'inquiète pas. Il garde l'info jalousement. Il y a peut-être une photo qui traîne quelque part dans son bureau, cela dit. N'hésitez pas à jeter un œil. Si gentiment. Entendu. Merci. Général, et pas chez lui. Sur l'avenir que nous bâtissons. Ah mais elle est là, Anna Puri là. Look up. Il y a des trucs qui sont purement ressemblables là. Et il y a un point, il y a un point, il est où le point? Ah c'est en haut à l'étage de 10. Je monte. Allez, c'est là. Ok. Et je crois savoir où c'est une il photo. Est déjà. C'est une photo. Ouais, faut que tu regardes sur les deux. C'est marqué I et Sea Island. Ouais. Vas-y. On peut ensuite sa position. Ouais. Meet me there. Il y a un deuxième encore. Ouais, ouais, mais on a déjà la position un petit peu de là où il est. Ah, il est en train de pêcher là. Une photo qu'il pêche. Sea Island. Attends. Sea Island. Vérifier le. C'est bon, j'ai bon les aides. Il y a clairement quelque chose de louche ici. Localiser le coin de pêche du général. Ouais, bah je l'ai déjà localisé. Et c'est bon. À bord, tout le monde. Il est à 4 km là. Ouais, ouais. Là où j'ai mis le point C, c'est là où il est. Oh, t'as eu dingue, Le choua. Ah, mais il a pas de micro. Je sais pas s'il a. J'ai pas l'impression. C'est pour ça que. Il me semble défavorable qu'il reste en fait. Parce qu'il sait pas nos intentions, ce qu'on va faire. Par exemple, les plans, si on fait bourrin normal, il va se demander quoi. Et ainsi de suite.
puis lui il va faire des trucs qu'il pense que nous on va faire et qu'on va pas faire du tout. Là c'est une question d'accord. Les attentes ils t'entendent même pas non plus. C'est bizarre parce que tu vois à gauche de l'écran, tu vois, on voit tout le monde, mais on le voit pas sur le micro. Il en a pas. Mais non, il est pas là. En haut à gauche, il est pas dans le Discord. Toi-même, tu l'as dit. Mais il est là, dans... à droite, il y est. Oui. Parce qu'il a... il est que dans la partie, pas dans le vocal. Ah, ok, d'accord. D'ailleurs, tu parles en anglais à lui, en espérant qu'il te réponde pour elle. Attends, je vais pas me poser là, je vais me poser là. Oh là, allô. Allô. À l'huile. Respectez la grotte. En avant, échelon. C'est dur un raid sur ça, Shadow. Ça dépend. Si t'es avec des connaisseurs ou avec des débutants. Ah si, il fallait que je monte le... Moi mon pistolet c'est un pistolet automatique, hein. Si tu me demandes, c'est pistolet balle. Faut nous en laisser quelques quelqu'un amis, a menti là. Sur ses parties de pêche. J'ai une partie de pêche avec le général. Il a tué tout le monde. Un échelon, ça ne laisse jamais personne en vie. Ah, ça, c'est faut sûr. Monter en haut, hein, messieurs, la porte elle s'ouvrira pas. Bah, c'est pas si... Faut monter en haut. En haut. Ouais. Ah, le I en haut. Ouais, vous montez. Non, pas là. Vous montez sur le générateur qui est sur le côté. Ok, j'ai vu. Sur le côté là où je suis. Par ici. Normalement, il y a un générateur. Pas le I en fait. C'est là, voilà. Où Tix il a trouvé. Oui, parce que c'est dans mon inventaire en train de regarder. Cool. Allez, là on va arriver dans la salle de test. Je remonte à l'étage là. Ouais. Je suis les fils alors. Ouais. En quelque sorte. Attention au piège qui est dans la salle. Attends mais... Il repart, il redescend. Tout le monde fusille. Tout le monde. Où ce machin? Sans blague, c'est fermé. Effectivement, il y a des mines un peu partout. Ouais, il y a des pièges laser, des mines. Tout ce qu'il faut pas. Le câble, mais c'est bizarre le câble, il redis. Ah, tiens, c'est bon. Faut que t'ailles à la porte et que tu passes par la droite. Générateur, j'ai suivi le câble, mais c'est pas le bon. Mais non! Faut que t'ailles à la porte là où elle est fermée. À droite, t'auras un truc que tu peux remonter dessus. Parce que tu vois, il y a une trappe ouverte. En fait, tu dois passer par cette trappe. Là, je regarde sur ta perspective. Là-haut encore qui a désactivé. Regarde, c'est à droite. Oui, mais non, retourne en arrière au niveau de la porte. Là, la porte, là, ouais. À droite, t'as un truc où tu peux monter dessus. Ah, ouais. Yes, c'est vu. Tu vois bien. Tu vas pas te dessous. Ça n'explose pas en fait les lasers. Ça fait du gaz. Tu veux, je te balance un truc. Hein. Je te balance du sucre. Tiens. Mets ça. En seconde, je suis en train de pirater. T'as même pas pris ce que je t'ai mis. J'ai pas vu.
Pour te mettre une barre de vie en plus, ça soit. Mec, il dit oh, merde, 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 je sais pas ce que c'est pour dire merde. C'est les civils. Dans le dos. Non. Ah merde, il y avait deux mecs là, j'ai pas fait gaffe. Ah, ils ont spawn quand j'ai passé la cinématique. Attends, j'ai mon Z là, je veux me relever. Arrive, je le... Ok, j'ai le médecin, je me relève, je m'enlève. T'inquiète pas, j'ai confiance en toi. Ok, c'est bon, je suis relevé. Oh, un gros drone incubus. T'inquiète pas, je m'en charge. C'est bon. Je vais prendre mon boost de santé du coup que j'avais lâché mais que... Ah, du coup il faut repartir en arrière. On doit quitter le secteur. Non déjà, j'ai pas récupéré les documents. Pas de documents à récupérer. Récupère... Bah moi j'ai déjà tous récupérés alors j'ai pas ce problème là. Il a fait des meurtres civils, le joueur. Et tu parles. Quel meurtre. J'ai les massacres sur ceux qui arrivent. T'inquiète pas, je l'avais déjà descendu. Il n'y a plus personne. On va prendre les documents les gars. Moi je les ai déjà pris. Prenez les documents. Madara il bouge pas je crois. Ouais. J'en ai bien peur. Ouais, ça prend un dernier document à prendre c'est. Ah, il est mort maintenant. Putain. Il bouge pas. Bon, j'ai récupéré tous mes documents. Ah, Watix, t'as pris ? Ouais, j'ai tout pris, je trouve. Ah. C'est déconnecté. Watix avec son beau. Ben oui, normal. Ah non, fais pas ça là toi. Ou le bateau va exploser. Ouf. Et l'hélico avec. Bravo. Ah ouais, voiture. Encore les bêtises. Le bateau là, quitter le secteur. Et ouais. T'es arrivé, la mission était finie. Oui, grâce à... au monsieur devant moi. J'ai appelé, la force est son bateau. Ok, il a pris là. Ennemi intérieur. Pistolo, tu le vois pas. Ah, tu la vois. Tu la vois celle-là. Tu la vois. Tu la vois celle-là. Tu le vois celui-là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On avait plus de lance-roquette. Je voulais le faire, mais on avait plus de lance-roquette. Moi, quand les roquettes, je prends presque rien. Alors, ça va, t'inquiète. Mais si t'aurais tiré un coup de lance-roquette, j'aurais été encore capable de faire utile. D'accord.
Comme on est tous morts en fait, quand t'as tiré ta roquette. Non, Azert, ouais. Je l'ai vu sauter de la falaise. Sauter de la falaise. Hein? Du sucre. Prends le pack. Ouais, j'aime bien le médecin, moi. Franchement, ce médecin, je trouve que c'est vraiment top top. Alors. Il des fous s'arrachent sur l'eau. C'est de la chasse américaine. Ouais. Non, je vais te montrer moi la chasse américaine. C'est ça la chasse américaine. Un saut lance-grenade normalement. Attends, je vais. Moi je vais vous laisser. La chasse américaine, je vais la faire. Ouais, ça marche. Y'a pas de soucis, Vatix. Bon, ben on a plus d'hélico, du coup. Bah attends, on peut se téléporter au plus près? Ouais. C'est la magie du bateau explosif. Bateau kamikaze. On dira pas d'où il vient, le bateau. Ouais, ouais. Ouais, j'ai un truc plus près, là. C'est un ficheur de lui. Léon Ferro. Et bonne soirée, les gars. Bonne soirée, Watix. À demain. Je vais finir le DLC avec toi. Puis après, j'irai me coucher. Parler à ouais, vas-y. Ouais. Moi j'ai pris un hélicoptère furtif. Et c'est bon. Oh, t'as vu, l'autre, je vais pas lui parler, hein, tout le temps, tu dois venir à son rendez-vous entre 21h et 2h du matin. Ouais. Comme ça, il est moins détectable. J'ai trouvé des plans de construction qui indiquent un accès. Tu as identifié ce qu'il nous faut pour extraire le stratège? J'ai discuté gentiment avec les autres stratèges. Ils m'ont dit ce qu'on voulait savoir. Les plans indiquent. Je suis l'évacuation furtive. Quand t'as une cible. On doit je nous filer entre les doigts. Je me suis procuré les codes d'accès grâce à un de mes gentils interlocuteurs. J'ai ce qu'il faut pour boucler le site. Il se demande quoi? Bien. Il va aussi falloir qu'on neutralise la DCA si on veut utiliser l'avion de Paladin pour l'exfiltration. Une ingénieure nommée Holly McKenzie a accepté de neutraliser les seins de drones qui gardent Roa. Appelle-la quand tu seras prêt à te barrer. Elle te donnera un créneau de 10 minutes. Après ça, tu seras tout seul. Alors on est parti. Je peux atteindre le stratège, mais j'ai besoin d'une diversion. Vendu. Tout ce que tu veux, rien à battre. Plutôt on l'aura serré, plutôt on retrouvera Midas. Ah. Souviens-toi. Patience et longueur de temps, nomade. Tu l'entends peut-être. Ne laisse pas tes émotions t'entraîner dans un piège. T'inquiète pas pour moi, je suis une machine. Tu l'entends dans la cinématique. Bien. On se retrouve à la base. En piste. Là. Attends, t'as fait l'hélicoptère ? Ouais, au-dessus. Ouais, attends. La base secrète. Ouais, Chanel. Il y a bien à bord. Ah oui, c'est vrai.
On a la base des Léviathans. Et on est sur la dernière mission du projet Cloud. Actuellement. Donc je vais te laisser te parachuter. Quoi ? T'as un parachuté ? Ouais, parachute-toi, tu dois pas te faire opérer. Gare à toi. Faut trouver un terminal de sécurité quelque part en bas des quais. Le parachute aussi, t'inquiète. L'hélicoptère est maintenu dans l'eau loin de la base. Genre plongeon Warzone. T'as déjà déployé ta voile, faut pas faire ça. Oui, il faut attendre qu'elle est assez proche quand même pour déployer la voile. Ça, quand tu fais ça, c'est quand tu veux, tu sais pas où, où tu dois atterrir. Bah, c'est ça, c'est pour voir où je veux atterrir. Bah, t'es sur le tour de la montagne là. Ah, ils sont nombreux, les gars. Hop. T'inquiète pas. Ils seront plus si nombreux après. Du tout. Et fais attention de ne pas repérer pendant que j'accède au terminal. Comment on descend après? Ça, tu vas devoir débrouiller avec. Je peux pas prendre en charge. Et tout ce qui sort bas. Ça c'est bête ça. Ah, c'est bon, j'ai le docteur. Le docteur. Et qui se passe, c'est que t'as droit à un seul parachute. Non, c'est que là t'étais pas assez haut. C'est pas Call of. Tu peux pas trop déployer forcément dans Call of, si à part certaines hauteurs. Ok, donc là pareil, on doit toujours pas se faire repérer. On a neutralisé la DCA pour le passage de notre avion. La DCA, c'est les ah ouais, les satellites. Voilà, les entières. Ouais. Pas les satellites. Les missiles anti-aériens. Ouais, les AA. Les MID. Il y avait des pop l'ennemi. Tu entends du Shadow. Je sais, t'inquiète, j'en suis chargé. Il n'a rien entendu du tout. T'inquiète pas pour la discrétion. Enfin, la discrétion, tu fais gaffe quand même, tu te fais repérer, mais moi, t'inquiète pas pour moi. Je me faufile. Si j'ai vraiment un problème de passage, t'inquiète pas, j'ai mon camouflage. Gaffe ici, hein, il y a deux lasers. Alors, entre pop, parce que je crois les quatre portes, ils ont un laser. Attends,
1 de déconnecter. On pirate le serveur. Détruit les tirs là. Là tu tires sur tous les quatre tous les points. Déjà. Ah, y a un mec qui a vu un mort. T'inquiète pas. Je l'ai tué. Oh, mais tu l'as tué? Oui, je la retire dessus. Hublot est plus rapide. DCA est détruite. Bien reçu. J'appelle la cavalerie. On est en bas. Ah, neutralisé. Qu'est-ce que c'était ? Je vais voir sur place. Ne désactivez pas encore les seins. Non. Nomad, c'est trop tard. Je reviens tout de suite. Ida, c'est peut-être là, en c'est danger. C'est bon, il faut passer sur la plateforme. On va passer au boss. Ah, c'est pas tellement un boss, mais bon. À l'épreuve. En quelque sorte. Faut monter jusqu'à la foudre. Mais d'accord. On va avoir les sangs en action. Elle avec ses... Ah ouais, ce mec là, avec ses... Ok. Là, il est drone, il y aura des trucs qui vont sortir. Bon moment pour attaquer. Bien reçu. J'ai encore un peu de ménage à faire, mais ça devrait pas être très long. Il y a des munitions tout le tour. Moi, je t'avoue que quand j'étais tout seul, elle est tombée vachement à court de munitions. J'ai été tombé à court de munitions de toutes les armes. C'était fou. Pas gagner. C'est bon. C'est le pouvoir de l'amitié. Je viens de débloquer. Tu es nommé, tiens, je te casse les yeux. Je m'occupe du truc qu'il y a là. Tire sur les drones. Vous êtes une relique, Nomad. Mais le truc que je t'ai dans un musée, l'avenir est ici et il va vous tuer. Le boost de santé vite. Hein? J'en occupe de l'incubus qui est là-bas. Il y a là mon coco. T'as mis un robot? Ouais, avec tes bus. C'est toi des drones volants. T'inquiète pas pour lui. Tu vois pourquoi je te dis de pas t'en occuper? C'est bon. Ouais, je l'ai éliminé. Et du coup, t'as une 4ème barre de santé. Normalement, je crois qu'il va envoyer. Et faites place au véritable pays des merveilles.
Moi, tu vas voir, je vais t'en faire des merveilles. C'est le nom du projet. Attention, encore un incubus. Ah non, elle est bonne. J'ai plutôt des petits drones. Attention, il y a des mitrailleurs. Le troisième et dernier relais est débloqué. Détruis-le. Comme si c'était fait. Voilà. C'est qui a apporté les drones, je sais pas quoi. Ça me tue. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Même l'arrêt du clan ne peut pas arrêter l'inévitable. L'avenir est en marche. Notre pays. Le mec, il est où là? Il est là-haut. On neutralise là. C'est fini. Il n'y a pas d'issue. Je veux le cloqueur. Je veux parler à un haut fonctionnaire. Le payday. Je sais des choses précieuses. On peut négocier. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Fini de jouer. Ouais. Vous croyez vraiment pouvoir m'arrêter? Vous êtes le monde d'hier. Je peux contrôler une armée avec mon esprit. Je suis le... Venez. Ça, c'est mieux. Tu peux avoir le feu vert pour une attaque au sol maintenant? Maintiens la pression ici, et je ferai en sorte qu'ils comparaissent devant qui de droit à Washington. À part ça, j'ai appris à ne rien promettre. Tu sais, je connais des gens à échelon qui aimeraient beaucoup rencontrer quelqu'un comme toi. Il faudra qu'on en rediscute un autre jour. J'ai encore des affaires qui me retiennent ici. Ouais, c'est ça qui compte le plus. Ne jamais abandonner un frère. le mec, il est fort quand même, hein. Sam Fisher toujours, et t'as vu que ça tenait à un exosquelette. Ouais, j'ai vu ça. T'inquiète pas que sa force elle est bien. Attends, Midas, il est où Midas? Il est là-haut Midas. Il faut monter par ici. Enfin, j'ai un dossier à récupérer. Pourquoi tu veux que je récupère le dossier? Ah tiens. Et c'est bon, j'ai récupéré mon kit. Attends, je vais le récupérer aussi. Hop. Mon petit dossier. Liste de pots de vin. Dis-toi que pour faire des installations comme ça et tout, ils ont détourné de l'argent du gouvernement américain. Il a dévié de l'argent de la CIA. Ils ont fait chanter pas mal de monde. Le général Paxton, lui aussi, il faisait des vies de l'argent pour le projet Clo. On va retrouver Midas. On va retrouver Chocolat Midas. Ah, les mecs, ils sont dans ça? Oh putain. Les gars, ouais, à mon avis, ceux-là, ils servent... De cobaye. D'expérience, ouais, pour le contrôle des drones. Midas. Oh. Midas. Boum. Boum. Allez. C'est le CPR à la vie. Hey, j'ai trouvé ça. Halt!
Ça, c'est de Wayland, du coup. Ce que je suis comme content si t'avais de pas voir, fait Wayland. Merci, chef. Il en manque un. Tu verrais ta tronche. Je ne saurais pas être raciste, ouais. Mais c'est la personne de couleur sombre. T'as pas l'air très bien non plus. Apparemment, j'ai... je crois que c'est Walker j'ai qui pas l'a mal morflé là-bas. Au début. Ouais, c'est ça, ouais. J'aurais pu tenir encore. Weaver, c'est lui qui est mort. Où est Weaver? C'est le sniper de l'équipe. Weaver y est resté. Eh. Aucun de nous n'aurait pu éviter ça. Est-ce que je suis stylé dans ma tenue? C'était un mec bien. Le meilleur. Mais la mission continue. Je sais que vous êtes bien amoché, mais j'aurai besoin de vous d'une façon ou d'une autre. Vous êtes prêts? Bien. Parce que c'est loin d'être terminé. C'est bon qu'ils nous les aient pas proposés en bot. Genre qu'on peut changer les bots et puis qu'on peut mettre eux. Ah oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, pas Weaver, parce que Weaver, elle est mort, mais... ils auraient pu mettre Midas et puis Holt, du coup. C'est vrai. Ça aurait été pas mal à la place d'avoir les nouvelles IA, là. Que tu connais même pas un truc d'eux. T'as juste peut-être leur bio, et encore. Voilà. Une pierre de coup. Ah, on a fini, mission. Et ouais. Et Midas, c'est bon. Et Victor Cost, c'est qui celui-là? Victor Cost, c'est un contact de Sam Fisher. Ok, d'accord. C'est celui qui est en mission au début. Okay. Je te remercie beaucoup, Shadow. Puis on se dit peut-être à demain pour la suite. C'est lui, Victor Cost. Regarde. Enlève le menu. Enlève le menu. Ah, c'est lui là? C'est lui, Victor Cost. Un combattant de la liberté. Sacré parcours, hein. Je peux me mettre en Sam Fisher. Ah ouais, ça me fichait la trouille. T'as acheté tous les trucs? Non, normalement toi aussi tu peux te mettre en Sam Fisher. Ouais. Bah ouais, vérifie. C'est dans le maillot là, personnalisé, puis c'est dans le dernier truc, épisode 2. C'est le troisième en partant de la droite. C'est le logo personnalisé. Ah, c'est... Non, en partant de la droite. En partant de la droite. Ça, c'est à gauche. Ah. Voilà. Là, tu vois, d'ici, tu fais... T'as le premier, deuxième, troisième logo, et c'est le dernier. Là? Non, ça, c'est pour personnaliser tes casques et tout. Ça. C'est celui, le tout dernier, avec les deux bonhommes. Et tu fais épisode 2. C'est le dernier. Ah. Attends, sur le live, on le voit pas. Bon, ça, c'est pour tes chapeaux et tout. Il est tout au fond. C'est dans costume, l'onglet costume, dans personnaliser. Personnaliser. Va tout au fond, à côté de la touche C. Ah, celui-là? Attends, on ne voit pas l'écran, ouais. Épisode 2. Ah, c'est là. Ah, ouais. T'as vu? Ouais. Du coup, j'ai fait l'épisode 3 aussi. Je peux me déguiser en Treystone, c'est-à-dire le grand méchant du prochain épisode. Et par contre, les flingues de Sam, on peut les garder? On sait, les flingues de Sam. Bah, il a des armes. Ouais, mais là, ils sont pas sur toi. C'est des armes à toi. Sinon, après, ils peuvent être acquis, mais... Ah ouais. Voilà, quoi.
T'as vu, je t'ai appris encore un nouveau truc. Et donc, personnalisé, tu peux faire complètement ta tenue différemment. Poser ton propre style. Quand t'as pas le costume d'équipé. Je croyais que tu le savais. Mais bon, ça m'étonnait que tu restais avec un skin lambda. T'as vu, t'as les versions. Là, je te vois sur le live, t'es dans les versions AB des personnages. T'as Nomad, en fait, t'as les quatre personnages dans leurs deux versions de développement. La version B de Nomad, elle est bien meilleure. Elle est plus travaillée. La version B de Nomad, ouais. Elle est plus travaillée. Elle est mieux. Tu vois tous ces détails, etc. Sa banane. Il a une banane. Une banane tactique. Et moi, je me suis mis en costard. Et là, t'es passé à 262 maintenant ? Bah ouais. Bah, moi, je suis toujours bloqué à 249, tu vois. Ça, c'est parce que je me réduis avec des armes. Tu vois, si je mets ça à 266, si je mets le sniper Cerberus. C'est-à-dire le sniper qui fait plus mal du jeu. Ah, mais je l'ai, on dirait que je l'ai, le sniper qui fait. Vous voyez en arriver là dans ta vie ? Non, tu l'as pas celui-là, parce que pour l'avoir celui que j'ai, il faut être en danger critique. C'est-à-dire la dernière difficulté, voire c'est, en fait, c'est quasi impossible. À moins d'avoir une team excellente. Maska Tava M93. Non, les aides, ça va, c'est pas le meilleur. Et du bruit, par contre, on peut pas mettre de silence sur celui-là. Juste en dessous de recul, tu vois, t'as l'espèce de truc de flamme ou l'espèce d'œil. Lis combien il fait de dégâts. Là ? Ouais. Combien il fait de dégâts, le sniper que tu dis le meilleur ? Oh, je vois ça. En dessous de recul, sur la gauche, le nombre. Juste au-dessus du chargeur. Attends, je rentre dedans alors. C'est à gauche, en partant du bas. Juste en dessous de recul. En dessous de recul, c'est 167. Ouais. Et ben moi, il fait 230. Donc le double du dégât. En deux balles, je couchais un hélicoptère. Et avec un seul chargeur, je peux coucher à Behemoth. Et l'ordinateur quantique, il se fait détruire par ce sniper-là. Vas-y, dis-moi ce que tu ressens. Et pour l'avoir, c'est rare. C'est même très rare. Il faut avoir battu le dernier boss, Cerberus. En difficulté presque impossible. Ah ouais, et comment t'as fait ça? Ben, je l'ai fait. En difficulté presque impossible avec. Quand tu dis difficulté impossible, t'as dit que tu te mets en immersion. Non, c'est pas ça. C'est la difficulté de danger critique dans les raids. Ah, parce que moi, on a des difficultés que si je regarde le menu. Là, dis-toi que je suis à 262, mais rien qu'avec mon petit pistolet. Regarde, difficulté ennemie extrême, on y est extrême. Hein. Ouais, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est dans la catégorie des raids. Ah, mais j'ai pas fait de raid pour l'instant. Eh ouais, t'as danger faible, donc ça, bah, c'est celui par lequel tu devrais commencer. Danger standard. Danger critique. Danger critique, c'est réanimation limitée, etc. Parfois, t'es obligé de faire des choix entre laisser mourir ton allié ou garder le soin pour plus tard. Quand je te dis... On t'a dit que les raids ne sont jouables qu'à 4. Ouais. Sans coéquipier, il y a. Et Jericho, là, c'est quoi ça? Ah, mais c'est des missions. Ouais, c'est des missions sur Golem Island. Ah ouais. Tout simplement. Eh, on peut faire un matchmaking pour faire ça? Ouais, tu peux faire un matchmaking pour faire ça. Bon, ben, tout ça passe ça. Bon, on se dit à demain, alors. Demain soir, alors. Ouais, je verrai si je suis dispo. Tu bosses demain? Non.
mais ça dépend si je fais quelque chose avec des potes ou quoi. Ok, y a pas de souci. Ben, Shadow, tu es toujours le bienvenu, comme on a... hein. Je te remercie pour toi, ta puissance. Le soutien balistique. Le soutien balistique. L'expert balistique, c'est moi. Ouais, c'était marqué. Besoin d'un expert en balistique. Ouais. Mon titre dans Ghost Recon, c'est Tueur de dragons héroïque. T'as que ça quand tu finis le raid en danger critique. Ouais. J'ai jamais demandé ce qu'on deviendrait. Et ouais. Merci beaucoup. De rien. À demain. Ciao, bye bye. À demain. Allez, poteau. On se dit aussi à demain. Ciao, bye bye, les copains.